Bienvenue donc à cette conférence débat intitulée « L'accueil des réfugiés, un nouveau révélateur de la crise de l'Europe ». Pour vous présenter un petit peu notre propos en introduction, nous avons décidé de faire cette conférence débat aujourd'hui sur ce problème d'actualité qui vient malheureusement illustrer une partie du propos du programme Alliance Europa que nous avons entamé aujourd'hui. Alors comme vous le savez, l'arrivée massive des réfugiés du Moyen-Orient depuis le début de l'année 2015 révèle une nouvelle fois les difficultés des États européens à gérer de manière commune les grands problèmes de notre continent. Et cette question de l'arrivée de migrants n'est pas nouvelle, hein, et de cette pression migratoire sur l'Europe n'est pas nouvelle. L'arrivée, elle, des réfugiés pose une question différente aujourd'hui. Les États et l'Union européenne tentent de trouver des solutions depuis plus de 15 ans à cette pression migratoire dans le cadre de différents accords, que ce soit les accords de Schengen, la Convention de Dublin ou d'autres, et cherchent à mettre en place des règles communes, c'est un bien grand mot, mais en tous les cas les règles les plus communes possibles pour parvenir à avoir une réponse concertée sur cette question. Alors l'arrivée massive des réfugiés, plus de 700 000 depuis le début de l'année, dont la moitié venue du Moyen-Orient, est une crise migratoire sans précédent pour l'Union européenne et pour les États de l'Union européenne, puisque cela fait des arrivées aussi massives de réfugiés, surtout du Moyen-Orient, ne se sont plus produites depuis déjà plusieurs dizaines d'années, sinon presque un siècle. Hein. Il y a eu d'autres vagues massives de réfugiés dans nos pays, en Europe, dans l'histoire récente, mais c'était soit des vagues internes, soit lors des conflits mondiaux, mais en tous les cas dans des circonstances très différentes des circonstances d'aujourd'hui, et surtout dans des circonstances où les États-nations géraient ces flux de manière non coordonnée, en tous les cas où l'Union européenne n'était pas forcément un acteur majeur de la question. Donc on l'a vu tous, on l'a tous constaté, hein, les États membres ont eu des réponses très divergentes sur cette question, et notamment sur une question qui, j'allais dire, questionne les valeurs profondes de l'Union européenne et de la construction européenne, que ce soit la protection des droits de l'homme, la liberté de circulation, le droit d'asile. Et face à une problématique qui interroge ces valeurs fondamentales, nous avons pu constater que non seulement les politiques des États divergeaient, mais que les réponses qui étaient apportées étaient souvent peu conformes à ces valeurs théoriquement proclamées. Alors le débat d'aujourd'hui doit nous permettre de mieux envisager cette problématique, d'essayer de mieux percevoir la singularité peut-être de cette question, nous interroger si ce problème des réfugiés finalement remet en cause le projet politique de l'Europe et les politiques des États de l'Union européenne. Est-ce que ces pays membres peuvent s'entendre pour mettre en place une véritable politique commune de l'asile? Est-ce que nous pouvons véritablement mettre en place des politiques d'accueil de ces migrants et des politiques justes et des politiques véritablement raisonnées et concertées? Et dispose-t-on des moyens, finalement, au niveau européen, au niveau français, au niveau national, pour gérer cet afflux de migrants et de réfugiés et pour organiser l'accueil et le contrôle et dans quelles conditions? Alors, se pose également la question des réactions des opinions publiques, nationales et européennes, face à cette crise actuelle. Opinion publique qui, certes, semble avoir pris conscience des enjeux, quoique, mais qui surtout, au-delà des émotions collectives, semble avoir du mal à sortir des peurs irrationnelles et à rentrer dans une véritable logique d'accueil et de protection. Voilà, donc cette crise des réfugiés révèle finalement une nouvelle fois la nécessité, j'allais dire, de réviser le modèle européen avant qu'il n'explose finalement sous le choc peut-être des égoïsmes nationaux. Donc c'est de tous ces points que nous allons essayer de débattre aujourd'hui, dans le cadre donc de ce programme Alliance Europa. Alors peut-être deux mots pour vous expliquer ce dont il s'agit. Il s'agit d'un programme de recherche, de formation et d'innovation qui a été lancé il y a déjà quelques mois, qui rentre dans sa phase opérationnelle et qui vise à étudier les défis sociétaux, culturels et politiques que doit relever l'Europe en crise face au processus de mondialisation. Et donc il s'agit pour nous de sortir d'une analyse souvent institutionnelle de l'Union européenne pour étudier l'Europe dans sa globalité, dans son rapport au monde, à d'autres espaces et à d'autres civilisations.
Pour cela, nous avons lancé des équipes de recherche, des axes de recherche, rassemblant des collègues des universités de Nantes, d'Angers, du Mans, de l'ESCA également. Et au-delà de ces axes de recherche, je n'ai pas le temps de vous les détailler ici, le but également du projet est de travailler en lien avec la société civile, en lien également avec les formations, avec les étudiants qui sont nombreux aujourd'hui, et j'en suis très heureux, et également de pouvoir travailler en construction de projets avec la société civile, le monde socio-économique et les partenaires du monde associatif. Alors ce programme est porté par l'Université de Nantes, je salue son président Olivier Labou qui nous accueille ici, dans ses locaux. Je remercie également par avance la région des Pays de la Loire et Nantes Métropole qui soutiennent notre projet et qui nous permettent de nous réunir et qui financent notre projet. Et rappeler donc que ce programme est en partenariat avec l'Université d'Angers, l'Université du Maine, l'ESCA et les Maisons de l'Europe de Nantes, Angers, Le Mans, Laval, Centre culturel européen et Radio Nantes. Alors ce débat public est donc la première étape de notre travail collectif. Il se voulait finalement à l'image de notre projet, c'est-à-dire réunir autour d'un thème des universitaires, des enseignants-chercheurs et des personnalités, hommes politiques, journalistes, experts, qui ont accepté d'intervenir dans le débat et qui ont accepté finalement de confronter leur regard à celui des enseignants-chercheurs présents autour de cette tribune. Alors, donc, je remercie tout particulièrement les intervenants d'avoir accepté de débattre. Je vais vous les présenter. Donc, nous recevons Bernard Guetta, qui est chroniqueur et éditorialiste de politique internationale à France Inter, à Libération, à La Repubblica, entre autres, qui a aussi publié un remarquable ouvrage en 2014 qui s'intitulait « Intime conviction, comment je suis devenu européen ?» qui nous avait présenté à Nantes l'an dernier et qui est un excellent ouvrage qui je pense, est empreint de beaucoup de sincérité sur son parcours. Donc Bernard Guetta a accepté d'accompagner notre projet, je l'en remercie, et a accepté de venir pour présenter son point de vue sur la question. Donc nous recevons également Bérangère Taxil, qui est professeur de droit international européen à l'Université d'Angers et qui est co-responsable de l'un de nos axes de recherche sur la place de l'Europe dans le monde. Nous recevons également Yves Pascuo, qui est analyste politique à l'European Policy Center à Bruxelles, chercheur associé senior à l'Institut Jacques Delors à Paris et qui est un spécialiste des questions migratoires en Europe. Nous recevons également Jean-Marc Ayrault, député, ancien maire de Nantes, ancien Premier ministre, mais je n'ai pas besoin de vous le présenter ici même, il est bien connu des Nantais, européen convaincu et qui, je pense, nous apportera son regard de politique face aux problèmes. Et nous recevons enfin Jean-Marc Ferry, je vous les ai présentés dans l'ordre des interventions, Jean-Marc Ferry, philosophe, professeur émérite et titulaire de la chaire philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes, chaire intégrée désormais au programme Alliance Europa, et qui, lui aussi, est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Europe, dont un qui vient de publier auprès universitaire de Paris-Sorbonne, s'appelle « Europe, crise et politique », qu'il a co-dirigé avec Arnaud Leclerc, qui doit être dans la salle, qui est mon collègue, qui a eu la responsabilité du programme Alliance Europa, et Marie Auffray-Séguet. Alors le principe de notre débat, c'est de poser des questions plus ou moins précises à chacun de nos intervenants. Je leur ai demandé de limiter leur intervention à 15 minutes, de manière à ce que nous ayons le temps ensuite de débattre avec l'amphithéâtre et de répondre à vos questions éventuelles et de répondre à vos remarques. Donc je demande à nos intervenants de se limiter précisément à ces 15 minutes. J'essaierai d'être vigilant sur le temps de parole. Et donc je vais tout d'abord interroger Bernard Guetta, qui va nous donner son point de vue sur cette crise, votre vision finalement de cette crise des réfugiés, votre vision, j'allais dire, peut-être votre avis sur l'impact de cette crise sur la position de l'Europe et sur l'image de l'Europe et des pays européens dans le monde. Vous demandez également votre vision des divergences sur les positions des États européens et de la cacophonie qui ne cesse d'agiter les pays européens depuis ces derniers temps, et notamment le clivage Est-Ouest qui est apparu très, 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 très évident sur cette question. Et puis ma collègue Catherine Vitol de Vinden disait dernièrement dans l'Express « Un continent fermé est un continent qui meurt ». Alors j'aurais voulu avoir votre point de vue sur finalement cet état d'esprit européen face à la crise des réfugiés et finalement ce que vous pensez de l'avenir de l'Europe à travers votre regard sur cette crise. Voilà, je vous laisse la parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs,
au-delà d'une inimaginable somme de souffrances individuelles, la crise des réfugiés, puisque c'est ainsi qu'il est convenu de l'appeler, est une leçon de choses pour les pays membres de l'Union européenne dont ils auraient dû, logiquement, tirer de grands enseignements. Mais je m'empresse de le dire, c'est exactement le contraire. Car enfin, devant l'afflux de ces réfugiés, d'hommes, de femmes, d'enfants, fuyant la mort, tout simplement fuyant la mort, et que donc rien n'arrêtera, car lorsque l'on fuit la mort, ce n'est pas des barbelés qui vous arrêtent, ni même la crainte d'un naufrage en Méditerranée. L'afflux de ces réfugiés, donc, nous dit premièrement à quel point l'Union européenne est un nain politique totalement absent de la scène internationale. Car enfin, cette crise, ces crises en poupée russe du Proche-Orient, ce sont les crises de l'autre rive de ce lac commun qu'est la Méditerranée, de la Mare Nostrum, comme disaient les Romains. Ces crises nous concernent directement. Elles ont des conséquences directes sur nous tous, et pas seulement l'afflux des réfugiés, Or, lorsque notre président, M. Hollande, a eu la très juste idée de sanctionner, il y a 3 ans, l'emploi d'armes chimiques par le régime Assad, de sanctionner non pas en bombardant aveuglément Damas, la Syrie, etc., non, en visant les installations militaires du régime et très précisément ses aéroports, non pas seulement pour le sanctionner, mais pour l'amener, pour le contraindre à négocier avec l'insurrection, eh bien, les États-Unis, à la dernière minute, ont dit non, ça ne correspond pas à nos intérêts. Peut-être que c'était vrai, d'ailleurs, du point de vue des intérêts américains, mais du point de vue des intérêts américains. Et dès lors que les Américains ont dit non, ben, la France, évidemment, ne pouvait pas agir seule. Elle aurait pu agir si ça avait été dans un cadre européen. Mais il n'y avait pas d'Europe. En l'occurrence, il y avait la France. Point à la ligne. Et sans les États-Unis, la France ne pouvait rien. On ne peut pas refaire l'histoire, mais il est hautement vraisemblable que si nous avions privé à l'époque le régime Assad de son aviation, nous n'en serions pas là, et surtout les malheureux Syriens n'en seraient pas là. Mais impuissance, que dis-je impuissance ? Inexistence politique de l'Europe. La deuxième chose que tout cela avait révélée, c'est presque la même chose, mais il y a quand même une nuance. C'est l'absence totale de défense européenne au singulier, de défense commune, mais même de défense européenne au pluriel, parce qu'il y a 2 armées dignes de ce nom dans l'Union européenne, la britannique et la française. Depuis que les Britanniques se sont fourvoyés dans l'aventure irakienne de George Bush, ils sont tétanisés. Il n'est plus question d'intervenir, ils sont intervenus quand il ne le fallait pas, ils ne veulent plus intervenir quand il le faudrait. Pas de défense européenne. C'est-à-dire que nous n'avons ni les concepts d'une diplomatie européenne, ni les moyens d'une diplomatie européenne. Alors, devant l'afflux des réfugiés, nous aurions pu faire ce double constat. Nous aurions dû nous dire, au-delà d'organisons l'accueil de ces malheureux, nous aurions dû nous dire, mais mettons les bouchées doubles pour attraper ce retard. Avez-vous vu un empressement pour définir une politique étrangère ? Avez-vous vu un empressement pour bâtir une défense commune européenne ? Non, rien, absolument rien de tout cela. Ce que nous avons vu, c'est au contraire une
nouvelle et très profonde érosion de l'unité européenne, dans la mesure où l'Union s'est divisée, je dirais, entre trois attitudes. Celle, pour faire simple, de l'Allemagne et de la Suède, qui ont organisé l'accueil avec volontarisme, avec à la fois de la compassion et une grande intelligence politique, qui consistait à se dire, puisque de toute manière ils sont là, autant organiser l'accueil que de subir un afflux chaotique. Une deuxième attitude, celle malheureusement de la France, et de bien d'autres pays, mais celle malheureusement de la France, puisque nous sommes Français, qui a été de dire, de prononcer les paroles qu'il fallait, de soutenir en l'occurrence l'attitude de l'Allemagne. Il fallait un certain courage pour cela d'ailleurs. Mais au-delà de cela, nous avons dit que nous allions accueillir 24 000 ou 25 000, je ne sais plus, 30 000, mon Dieu, tous aux abris. 30 000 réfugiés, ils arrivent au compte-gouttes, il n'y a pas d'empressement de la France. De la France, patrie des droits de l'homme, de la France, terre d'accueil, de la France dont la force internationale, je dis bien la force internationale, y compris économique, mesdames et messieurs, repose très largement, pour ne pas dire essentiellement, sur cette image que nous avons cassée pendant que l'Allemagne nous la prenait. Nous le payerons un jour. Nous le payerons très cher. Et puis il y a une troisième attitude, incarnée par la Hongrie, et malheureusement très vite, demain ou après-demain, par la Nouvelle-Pologne, celle du refus. Celle du refus, en tout cas, de tout réfugié musulman. Chrétien, peut-être. Peut-être. Ouf, pas trop, peut-être. Musulmans, certainement pas. Les racines chrétiennes, blablabla. Ces gens-là qui brandissent le Christ ont apparemment les oreilles bouchées quand le pape leur dit une paroisse, une famille de réfugiés. Le christianisme, l'accueil et la compassion. Cette division, malheureusement, est concomitante à bien d'autres choses. Un désamour de plus en plus profond, nous n'avons pas le temps de nous étendre sur ces causes, mais nous les avons tous en tête. Un désamour entre les Européens et l'Europe. Monsieur Cameron, qui comme l'apprenti sorcier, lance un référendum sur l'appartenance de son pays à l'Union européenne en espérant s'en sortir renforcé, et qui court un risque phénoménal de perdre ce référendum qu'il compte bien gagner, parce que malheureusement il est aujourd'hui beaucoup plus aisé de pourfendre le projet européen que de le défendre. L'Union est en mauvaise passe. Il ne s'agit pas de dire que tout serait abominable et qu'elle serait abominable. Parce que, après tout, il y a division. Mais nous n'avons pas envoyé de canonnières couler les bateaux de réfugiés en Méditerranée. Et je ne plaisante pas en disant ça. Parce qu'à d'autres époques, c'est ce qui serait passé. Au moins, il y a une décence commune qui est de dire « Ah oui, il faudrait les malheureux » et puis on ne fait rien, ou pas grand-chose. Mais au moins, il y a cette décence commune et ce n'est pas rien. C'est un grand progrès de la morale collective, si ce n'est de la civilisation. Mais ça ne va pas très loin. Et cette concomitance de la division sur la question des réfugiés, du référendum britannique, de la très grande absence
d'homme d'État d'envergure dans l'Union aujourd'hui est très inquiétante. Est très, très inquiétante, parce que la facilité aujourd'hui, c'est de dire, mais vous voyez bien qu'il faut des frontières, mais vous voyez bien que cette union ne marche pas. Arrêtons-nous sur cette dernière proposition, vous voyez bien que cette union ne marche pas, qui, dès la fin du printemps dernier, a dit les choses évidentes sur la crise des réfugiés. La Commission, c'est-à-dire l'abominable, j'ouvre les guillemets, Bruxelles, fermez les guillemets, la Commission a dit les choses les plus sensées, les plus évidentes, à savoir que ces gens avaient droit à notre compassion, qu'au-delà de la compassion, ils avaient droit à un statut de réfugié, indiscutablement, indiscutablement, statut de réfugié reconnu par tous les textes de l'Union européenne et par les lois internationales. Et qu'il fallait donc les répartir dans les différents pays de l'Union en fonction de la population, de la superficie et des performances ou contre-performances économiques de ces différents pays. Eh bien, quand la Commission a proposé cela, à peu près tous les pays de l'Union européenne ont dit non, mon Dieu, quelle horreur, empiètement sur notre souveraineté, empiètement par qui ? Par la Commission que nous nommons. Nous, les pays européens, personne ne nous oblige à la nommer. C'est nous qui la nommons. C'est nous qui l'avons créée. C'est nous qui en nommons les membres. Chacun de nos gouvernements. Et il a fallu une photo pour que soudain il y ait un retournement de l'opinion, que Mme Merkel se mobilise, qu'on en vienne aux solutions proposées 5 mois avant par la Commission, mais qu'on ne les accepte en vérité, en bon français, que par lip service. Nous en sommes là, je déteste le dire, je suis inquiet. Je vous remercie. Merci, merci pour votre intervention. Je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Bérangère Taxile. Pour revenir peut-être sur certains points, et notamment sur la question de l'asile et du droit international. Peut-être pour revenir également sur une définition terminologique, qu'est-ce qu'un réfugié, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile, quels sont leurs statuts, existe-t-il finalement de fortes disparités entre les États membres sur le droit d'asile et l'accueil des réfugiés, quelle est la réglementation internationale et européenne. Et puis une question peut-être plus sensible, mais je sais que tu y tenais, Bérangère, c'est est-ce que finalement le droit d'asile, prévu au niveau international, au niveau européen, est-il bien respecté ou appliqué en France notamment ? Revenons sur ces aspects de droit d'asile et de droit international pour à nouveau un petit quart d'heure. Merci Michel, bonsoir, bonjour à tous. Le patron de Frontex et français, Fabrice Leggeri, était à Angers il y a quelques jours et il expliquait que 1 200 000 personnes franchissent de manière illégale les frontières, mais que Frontex n'en retient que 800 000 parce que Frontex sait que les multiples entrées sont comptabilisées. Une même personne est comptabilisée plusieurs fois. Malgré tout, à un moment donné, je lui ai fait remarquer, enfin, j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir pour lui dire que parmi ces calculs de Frontex, eh bien, sont inclus des personnes qui, pour nous, ne sont pas considérées comme illégaux ou en tout cas qui ne franchissent pas les frontières en violation du droit international parce qu'il existe un droit international d'asile et que ces personnes ont le droit de franchir la frontière et que les États ont l'obligation de ne pas les refouler. Et puis deux députés européens organisaient cette journée consacrée déjà à l'Europe et aux réfugiés à Angers samedi dernier, et le député européen est intervenu très spontanément pour dire « Oui, mais ils demandent tous l'asile !» Non,
Ils ne demandent pas tous l'asile, et non, en matière d'asile, il n'y a pas d'afflux massif en France, en tout cas, effectivement, Bernard Guetta l'a déjà dit. En termes de chiffres, sur les 9 premiers mois de l'année 2015, 52 ou 54 000 demandeurs d'asile. C'est 4 000 de plus seulement que l'année dernière, et puis c'est moins qu'entre 1992 et 1995 dans le contexte de la dislocation de l'ex-Yougoslavie et du conflit armé. Donc effectivement, en tout cas en ce qui concerne l'asile, on n'est pas dans une situation d'afflux massif, et surtout en France, avec cette attitude très restrictive. Donc pour en revenir à la terminologie, puisque c'était la première question, il existe un droit international qui définit ce qu'est le réfugié, et puis si on peut distinguer réfugié et migrant et demandeur d'asile, eh bien il existe une convention internationale auquel les États européens ont adhéré, ils se sont engagés à la respecter, convention de 1951 sur le statut de réfugié. L'Union européenne elle-même s'est engagée aussi à la respecter, et puis sur le fondement de cette convention, l'Union européenne s'est dotée d'une législation extrêmement abondante en matière d'asile. L'une des grandes difficultés, je pense, de l'accueil des réfugiés réside dans le fait que ce droit international prolongé par ce droit européen n'est guère mis en œuvre ni de manière efficace ni de manière satisfaisante, dans la mesure où il y a énormément de disparités entre les interprétations fournies par les États et par les systèmes nationaux d'accueil des réfugiés. Un demandeur d'asile, un réfugié de manière générale, c'est quelqu'un qui a besoin de protection internationale, et parce que son État d'origine ne lui fournit plus. Et il faut distinguer d'un côté ce qui relève du véritable réfugié, de ce qui relève du migrant qui, lui, quitte son pays de manière volontaire. Alors ça ne veut pas dire que fuir la misère serait moins grave que fuir la mort. Eh bien si, quand même, malgré tout, en droit international, on hiérarchise. Fuir des violations massives et systématiques des droits de l'homme, fuir des tortures, fuir des persécutions, eh bien c'est inscrit dans la convention de 1951, et le réfugié, c'est quelqu'un qui fuit son pays de manière involontaire. Il est contraint de fuir parce qu'il craint, avec raison, des persécutions pour des motifs politiques, mais pas seulement, pour des motifs raciaux, pour des motifs religieux, pour des motifs sociaux également. Ce demandeur d'asile, eh bien, s'il obtient, on en parlait déjà tout à l'heure dans un atelier précédent consacré à la question de l'asile en particulier, ce demandeur d'asile, s'il est reconnu comme tel, comme entrant dans les cases du droit international, aura le statut de réfugié. Il existe d'autres systèmes de protection internationale que l'asile, à proprement parler, sur le fondement de cette convention internationale, et ce système a été développé par l'Union européenne, c'est la protection subsidiaire qui vaut notamment pour les civils qui fuient des conflits armés et qui fuient de manière plus large et plus vague des violences généralisées. Donc oui, les Syriens qui fuient la guerre ont bien évidemment le droit à un statut de protection internationale. Donc tous ces systèmes de protection internationale, eh bien, ont été mis en place par ce droit international. Mais la protection subsidiaire, elle, déterminée par le droit de l'Union européenne, eh bien, peine à trouver les moyens de mise en œuvre. Et oui, effectivement, l'Union européenne n'a guère les outils. Alors je sais que je reste sur le droit international de l'asile, mais malgré tout, l'Union européenne ne se dote guère pour l'instant des moyens ni institutionnels ni juridiques pour harmoniser un petit peu ces solutions. D'énormes difficultés dans l'application nationale, parce qu'à 28 États, il y a 28 interprétations qui peuvent être différentes de ce qu'est le statut de réfugié. Et la Grèce, par exemple, rejette 99% des demandes d'asile. La France n'est pas loin derrière, on rejette 85% des demandes d'asile. Donc, dans les interprétations les plus strictes, on n'est pas loin derrière. Donc, le droit international de l'asile est-il bien respecté ? Il est respecté dans la mesure d'une interprétation qui est plus rigoriste qu'ailleurs. Donc les migrants, quant à eux, pour revenir sur les questions terminologiques, eh bien, sont des personnes qui quittent volontairement leur pays pour trouver une situation meilleure. Et les motifs désormais de migration, les motifs de départ sont, quelle que soit leur légitimité, sont diversifiés. On parlait cet après-midi de la notion de réfugié climatique. Alors en droit, non, pour l'instant, il n'y a pas de statut de réfugié climatique. En droit, il n'y a pas de droit
à une migration économique. Et les États restent pleinement libres de la maîtrise de leur politique d'immigration dans le respect du droit européen. Mais en tout cas, il n'y a pas de droit international à la migration économique. En tout cas, il y a bien un droit à l'asile. Et en France, pour en terminer sur cette question, en France, les demandeurs d'asile, qui ne sont donc pas si nombreux, et non, tout le monde ne demande pas l'asile, les demandeurs d'asile, eh bien, sont reçus par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a vu ses missions profondément évoluer. Il y a eu vraiment une restructuration très importante de ce qu'est et de ce que fait l'OFPRA sous l'influence du droit de l'Union européenne. Et même si cette Union européenne peine à se trouver des politiques, elle a des outils juridiques. Et c'est ainsi qu'on a vu cette année l'OFPRA aller effectuer des missions sur le terrain, que ce soit à Munich ou que ce soit à Beyrouth encore récemment, pour aller identifier sur place ces personnes qui ont besoin de protection internationale. Alors est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut encourager ? Je me garderai bien de donner une réponse, mais en tout cas, il y a ces types d'outils sous l'influence de l'impulsion européenne. Et puis lorsque les réfugiés se voient quand même, malgré tout, pour la plupart déboutés du droit d'asile par l'OFPRA, ils peuvent avoir recours à la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction spécialisée en France. C'est celle qui rend le plus grand nombre de décisions parmi toutes les juridictions françaises, entre 30 et 35 000 décisions par an. Il y a 3 000 journées par an d'audience à la Cour nationale du droit d'asile. Et elle aussi fait preuve d'une attitude extrêmement restrictive, parce que finalement, pour être réfugié, pour avoir le droit d'être réfugié en France, il faut faire état de craintes de persécution, alors qu'elles soient fondées ou potentielles. En tout cas, il faut faire état de craintes individuel. Et c'est là que se trouve l'une des difficultés dans l'interprétation franco-française de ce droit d'asile. Et c'est ce qui explique que ça n'est qu'une petite part des réfugiés aujourd'hui qui est concernée par ce statut. La crainte individuelle, on imagine bien qu'un Syrien ne va pas pouvoir prouver que la bombe est tombée sur lui parce que c'était lui. Donc il y a une interprétation plus large, mais qui est très contextualisée aujourd'hui à la Syrie, l'Irak, l'Érythrée éventuellement. Le Soudan aussi fait l'objet d'une appréciation assez ouverte. Mais il ne faut pas oublier que dans cette multiplication des migrations et dans les 50 ou 60 millions de réfugiés dans le monde et de personnes qui sont déplacées de manière forcée, eh bien, il y a d'autres destinations, d'autres pays d'origine, et que ceux-là font l'objet d'une attention nettement moindre et d'une attitude en Europe qui est beaucoup plus restrictive. Merci. Merci pour cette intervention synthétique, tout à fait dans le créneau horaire qui nous est donné. Alors, on reviendra certainement plus tard sur l'aspect droit d'asile et respect de ces droits d'asile. Vous avez bien montré la grande disparité des situations entre États membres de l'Europe. Alors, je vais maintenant passer la parole à Yves Pascuot, qui est un spécialiste justement des politiques européennes en matière de migration. Alors, je voulais vous demander, Yves, finalement, s'il existe vraiment une politique européenne en matière de migration et d'asile, quelles sont les réponses que l'UE propose pour cette crise ? Et finalement, est-ce que les dispositifs proposés, que ce soit les quotas ou alors les dispositifs d'aide aux pays de départ, sont-elles des réponses réalistes ? Est-ce que ce sont des réponses réalistes ? Peut-on finalement, j'allais dire, contrôler les frontières et avoir simplement une réponse défensive face à l'accès ou face à l'arrivée des réfugiés ? Et finalement, est-ce qu'un des principes fondateurs de l'Europe, c'est-à-dire la libre circulation et les accords de Schengen, est-ce que finalement ils ne sont pas progressivement remis en cause durablement par les conséquences de cette crise dans les réponses gouvernementales et dans les réponses de l'Europe à cette crise ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Toutes ces questions vont être auxquelles je vais répondre, mais dans les deux ou trois prochaines heures qui suivent. je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation, à parler de cette question qui m'occupe, je dirais, au quotidien depuis 15 ans maintenant. Et avant de présenter l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre par l'Union européenne ou les États membres, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par M. Guetta en introduction. Moi aussi, je suis inquiet. Je suis extrêmement inquiet de la suite des opérations, si on peut le qualifier comme ça.
Je suis inquiet, mais en même temps, je suis peut-être un petit peu rassuré là ce soir de voir autant de monde rassemblé dans cette salle pour venir parler de la crise des réfugiés et est-ce que cette crise est un nouveau révélateur de la crise de l'Union européenne. Peut-être est-ce les réfugiés, peut-être est-ce l'Union européenne qui attire tous ces gens-là ici ce soir, en tout état de cause, ou peut-être les deux, mais en tout état de cause, c'est peut-être que la question présente un intérêt suffisamment important pour qu'elle mobilise autant de monde ici ce soir. La réponse de l'Union européenne à la situation que nous vivons aujourd'hui peut être résumée de la manière suivante. Elle est tardive et elle est limitée. Elle est tardive parce que le phénomène que nous connaissons aujourd'hui était tout, absolument tout, sauf imprévisible. La totalité des observateurs signifiait que tôt ou tard, la grande majorité des personnes qui fuient la guerre et qui résident dans le voisinage plus ou moins immédiat de l'Union européenne, allaient tôt ou tard continuer leur chemin vers le nord. La situation en Syrie, qui s'enlise et qui ne connaît aucune avancée positive. Le nombre de demandeurs de réfugiés syriens au voisinage immédiat de la Syrie, plus de 2 millions en Turquie, plus d'un million au Liban. Le Liban a vu sa population augmenter de 25 à 30% en l'espace de 3 ans. Les réfugiés syriens en nombre de plus de 600 000 en Jordanie. Des réfugiés syriens en Irak. État lui-même producteur de réfugiés. Des réfugiés syriens en Égypte. Donc la situation était connue de tous et personne ne pouvait prétendre la méconnaître. Les rapports, ensuite, étaient aussi connus de tous. Les rapports de Frontex, il ne s'agissait pas d'aller voir les rapports de quelques ONG droits de l'hommiste que certains gouvernements refusent à prendre en considération ou auxquels ils refusent d'attribuer le sérieux qu'elles méritent. Frontex, arrêtons-nous simplement à Frontex. Frontex disait deux choses. Au troisième trimestre 2014, Frontex disait parmi les 140 000 Syriens qui résident en Égypte, nombreux sont ceux qui sont déjà partis en raison des conditions de vie dans lesquelles ils sont. Sous-entendu, les autres vont arriver. Sur la route des Balkans occidentaux, dès décembre 2014, Frontex identifiait un mouvement significatif et une ouverture réelle de cette voie migratoire. Les autres rapports étaient tout aussi alarmistes. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, les deux organisations demandaient aux États membres de remplir leurs promesses parce que sur le terrain, en Turquie, en Jordanie, au Liban, ces organisations n'étaient plus capables de réaliser leur travail et que les gens, tout simplement, mouraient de faim. Et mourir de faim sur place ou en route, ça n'a plus d'importance. Et un dernier élément, les éléments de saisonnalité. Effectivement, l'été arrivé, donc on pouvait s'attendre à ce que les réseaux de passeurs, de plus en plus structurés, de plus en plus ignobles dans leur procédure, allaient conduire en nombre de plus en plus important les réfugiés syriens, érythréens, somaliens ou afghans sur le territoire de l'Union européenne. Mais on a refusé de voir ces éléments-là. Chaque État membre a attendu patiemment que les gens arrivent en nombre à leur porte. Pour une raison relativement simple, c'est que ça fait 15 ans maintenant que l'Union européenne est compétente dans le domaine de l'asile et de l'immigration, et que ça fait 15 ans qu'à part certains domaines particuliers, l'éloignement, l'immigration irrégulière, la frontière, les autres domaines de la politique migratoire ne sont vus par les États membres que comme une politique nationale. Prenons un exemple relativement clair. Qui est en charge de ces politiques dans les États membres? La plupart du temps, les ministres de l'Intérieur. Pour les États membres, la question migratoire est une question nationale et qui se lie dans de nombreux cas, la France n'est pas un cas isolé, au travers d'un agenda politique national. Et quand on voit les agendas politiques de certains États membres, je ne parle que de la Hongrie, par exemple, on sait à peu près comment est-ce que les politiques vont être développées. Autre élément, le cynisme parfois. Il m'a été rapporté par un journaliste qui avait discuté avec certaines autorités nationales du cynisme de certaines administrations, considérant un peu au prou que si le conflit s'enlisait et que si les personnes restaient finalement au Liban ou en Jordanie
eh bien, elles y dépenseraient les quelques économies qui leur restent et puis n'auraient plus l'argent pour faire le voyage vers le nord. Ils s'étaient trompés puisque les personnes, en faisant ces pauses, ont réussi à recapitaliser leurs moyens de transport et à avoir suffisamment d'argent pour emprunter les voies de passage. En réalité, les États membres de l'Union européenne sont collectivement responsables d'avoir refusé, d'avoir prévu cette situation et d'avoir adopté les mesures qui s'imposaient. Plutôt que de gérer aujourd'hui un véritable chaos humanitaire, et j'y reviendrai, les États membres de l'Union européenne eût été peut-être mieux inspirés de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on réinstalle des centaines de milliers de personnes sous protection des Nations Unies à l'extérieur de l'Union européenne, dans l'Union européenne. D'une part, pour permettre aux plus vulnérables d'avoir une protection, d'autre part, pour permettre à ces pays tiers qui prennent une charge colossale dans l'accueil des réfugiés, puissent aussi un peu respirer. À défaut de ceci, nous avons attendu et nous avons aujourd'hui ce que nous avons refusé de voir. Des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui arrivent chaque jour dans l'Union européenne pour demander une protection qu'on leur doit, pas simplement moralement, mais juridiquement. L'ensemble des États membres de l'Union européenne se sont engagés, dans le cadre de conventions internationales, développées dans le cadre du droit de l'Union européenne, à accorder la protection à ceux qui en ont besoin. Et nombreux sont ceux qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne qui en ont besoin. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies le signifie tous les jours, quasiment en disant une grande majorité des personnes qui arrivent sur les territoires de l'Union européenne sont des personnes qui, prima facie, ont besoin d'une protection internationale. Mais à défaut de ceci, nous avons refusé de prévoir et nous nous retrouvons dans une situation où, finalement, d'une réponse tardive, on gère la crise dans l'urgence. Et gérer une crise dans l'urgence, ce n'est jamais véritablement bien gérer les choses. Alors, on ne peut pas dire que l'Union européenne ne fait pas grand-chose. Il suffit de voir le nombre de réunions qui ont été organisées depuis le mois de juillet, nombre de conseils européens, c'est-à-dire de réunions des chefs d'État et de gouvernement, nombre de conseils justice et affaires intérieures pour essayer de faire avancer les choses, nombre d'initiatives et de communications de la Commission européenne. Et il faut ici tirer notre chapeau, d'une part à la Commission européenne qui a fait un travail remarquable de positionnement politique fort, ce que nous ne connaissions pas auparavant avec la précédente commission. D'autre part, travail remarquable réalisé par la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne, qui jour et nuit a négocié pas à pas sur un ensemble de textes qui étaient proposés par la Commission européenne, et notamment la relocalisation que les pays d'Europe centrale et orientale refusaient de manière extrêmement forte. Donc je ne vais pas passer dans le détail l'ensemble des mesures qui figurent sur ce magnifique PowerPoint, mais simplement on voit qu'un ensemble de mesures ont été prises. En Méditerranée, l'opération Triton et l'opération militaire Sophia, en vue de démanteler les réseaux de passeurs. Aux frontières extérieures de l'Union européenne, les fameux hotspots, la relocalisation, les mécanismes de protection civile, ce qui veut dire en réalité, le mécanisme de protection civile est un mécanisme qui est déclenché par la Direction générale aide humanitaire de l'Union européenne. Nous avons une situation de crise humanitaire à l'intérieur même de l'Union européenne à partir du moment où le mécanisme est développé pour la Slovénie. Et il faut garder ceci à l'esprit. Et ensuite, un ensemble de contacts et de soutien. Pour ce qui est de la frontière extérieure, est-ce que ça fonctionne ou pas? Pour les fameux hotspots qui sont des centres d'enregistrement et d'identification pour savoir si la personne a besoin d'une protection internationale, si elle doit retourner dans son pays d'origine ou si elle fait partie d'une filière criminelle, Frontex et le Bureau européen d'appui en matière d'asile ont lancé un appel aux États membres pour que les États membres leur envoient du personnel. Frontex avait demandé 775 personnels en renfort. Les chiffres que je vous donne ici sont des chiffres d'aujourd'hui et d'hier. Sur les 775 demandes de Frontex, les 28 États membres de l'Union européenne ont envoyé 320 personnes. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile a demandé l'envoi de 374 experts. Aujourd'hui, seuls 177 ont été envoyés. Donc les hotspots ont du mal à fonctionner. La relocalisation est un exemple assez significatif aussi. Les États membres se sont entendus dans la douleur à relocaliser, c'est-à-dire à prendre des demandeurs d'asile qui sont arrivés en Grèce et en Italie et à les prendre sur leur territoire. Ils se sont engagés sur une période de 2 ans à en prendre 160 000. Aujourd'hui, 177 ont été relocalisés depuis l'Italie
et 30 depuis la Grèce. À ce rythme-là, hier, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, disait que si on veut atteindre l'objectif de 160 000, nous l'atteindrons en 2101. Je pense que ça veut tout dire. Donc, même aux frontières extérieures de l'Union européenne, les choses avancent, mais dans la douleur. À l'extérieur de l'Union européenne, c'est pareil. Et là, on peut dire que l'Union européenne est sur tous les fronts. Les Balkans, la Turquie, la Syrie et son voisinage, et le fameux sommet de la Valette avec les pays africains. Mais là encore, si on regarde un petit peu dans le détail, on se rend compte qu'on n'y est pas et qu'on est loin du compte. La Turquie va rentrer dans un processus de négociation extrêmement avancé avec l'Union européenne, avec un plan d'action et avec des projets. Un projet en termes de libéralisation de visa, la réouverture de la négociation d'accession, et les Turcs disent on veut 3 milliards d'euros. Qui va payer? On ne sait pas bien, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le fameux fonds fiduciaire pour l'Afrique tel qu'il était négocié hier à La Valette, ce fonds doit être doté de 3,6 milliards d'euros, 50% financé par la Commission européenne, qui a déjà mis au pot 1,8 milliard d'euros. Pour les États membres, on était aujourd'hui à 81 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il manque aujourd'hui, dans le pot commun, plus de 1,7 milliard d'euros. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en guise de réponse à la crise, parce qu'on ne l'a pas prévu, on réagit. Et on réagit sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire de l'opérationnel. Mais en réalité, on ne peut pas faire de l'opérationnel parce qu'on n'en a pas les moyens ni matériels, ni humains, ni financiers. Et ce qui veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, on essaie de parer au plus pressé et dans les pires conditions possibles. Peut-être que demain, les choses vont se débloquer, je l'espère de tout cœur, mais ce n'est pas sûr. Et il faut se rappeler ce par quoi Bernard Guetta a commencé aujourd'hui. On parle de personnes qui ont pris la route, parce qu'il meurt. Pour répondre à la question de cette conférence, est-ce révélateur de la crise? Je pense que c'est malheureusement pire que ça. C'est une crise qui vient s'ajouter à d'autres crises. La crise grecque ou crise de la zone euro. La crise ukrainienne, dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui demeure un facteur de préoccupation. Et aujourd'hui, la crise des réfugiés. Il faut prendre en considération ces crises, non pas isolément, indépendamment de la différence de nature de ces crises-là, mais elles ont des interdépendances. Prenons simplement la question de la crise ukrainienne et de la crise des réfugiés. Un des pivots, un des éléments de réponse, c'est avec ou sans la Russie. Ces crises-là ont apporté avec elles quatre éléments qu'il faut garder à l'esprit parce qu'ils limitent la capacité d'action pour le futur. Premier élément, la méfiance. La méfiance entre les États membres de l'Union européenne n'a très certainement jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, sur de nombreux terrains. Les divergences. On voit des lignes de fracture extrêmement profondes se dessiner aujourd'hui dans l'Union européenne. Alors, lors de la crise de la zone euro, c'était la ligne de fracture nord-sud. Aujourd'hui, on a une ligne de fracture très profonde, est-ouest. La complexité, l'interdépendance de ces crises, mais en réalité, la crise des réfugiés démontre aujourd'hui que c'est fini le temps où on considérait, où on pouvait considérer que la crise des réfugiés était une crise qui relevait des affaires intérieures de l'Union européenne. C'est fini. Elle démontre clairement que c'est l'intérieur et l'extérieur. Et à partir du moment où on met l'extérieur dans la boucle de réflexion, on tombe sur les problématiques qui ont été soulignées au début. Il n'y a pas de politique extérieure. Et comment fait-on? Et finalement, pour les décideurs, les observateurs que nous sommes, l'absence de réponse apporte de la déception. Et la déception du citoyen européen me semble être de plus en plus importante. Et l'Union européenne devient aujourd'hui la source de tous nos malheurs, alors qu'hier encore, elle était la source de tous nos espoirs. Alors oui, moi aussi, je suis inquiet. Je suis inquiet. Et puis finalement, quelles sont les solutions? Je crois qu'aujourd'hui, la réponse à ces solutions, ou l'apport de solutions, doit être donné par la réponse à une question extrêmement simple et que chacun doit se poser en âme et conscience. Est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'Union européenne? S'il y a trop d'Union européenne, tirons-en les conséquences. Demandons aux souverainistes, aux nationalistes de défaire.
ce que nous avons construit au cours des 50 dernières années. Et ils le feront très bien, mais ça se fera dans la douleur. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'Union européenne ? Et si c'est ce dont nous sommes convaincus, alors il faut se donner les moyens de donner à l'Union européenne le projet politique qu'elle doit mettre en œuvre, définir les politiques prioritaires, la politique étrangère, la défense, le marché intérieur sont des politiques qui nécessitent une intégration réelle et véritable. Prendre en considération que plus d'intégration européenne, c'est plus de prise de décision supranationale et accepter, qu'on l'aime ou pas, un abandon progressif de souveraineté. Et enfin, donner les moyens financiers. Avoir une Union européenne qui fonctionne aujourd'hui avec 1% du PIB des États membres, alors que ce n'est plus simplement une machine à fabriquer du droit, mais c'est une machine opérationnelle, et la crise des réfugiés le démontre, illustre en réalité que le modèle ne fonctionne plus et qu'il doit être fondamentalement repensé. Je pense tout simplement que les solutions pour demain doivent être rapides, mais que le début de la réponse à cette question passe par cette question simple. Y a-t-il trop ou pas assez d'Union européenne ? Merci Yves. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, pessimisme, méfiance, divergence, fracture, désespoir, déception, absence de résultats, le tableau qui est dressé par les intervenants précédents est extrêmement pessimiste. Alors, je voulais vous poser des questions sur les réactions divergentes entre la France et l'Allemagne, aussi sur l'hostilité, voire l'indifférence des opinions publiques, et quelle marge de manœuvre, finalement, les politiques ont-ils face à cette crise ? Mais j'imagine que vous allez vouloir certainement aussi réagir par rapport aux interventions précédentes. Mais je vous laisse la parole également. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir à tous et à toutes. Je crois en effet que nous vivons une crise de l'Europe. C'est évident. Tous les intervenants précédents l'ont dit avec force. En concentrant d'abord leurs propos sur... l'incapacité de l'Europe à se saisir de ce drame qui est là devant nous et qui va se poursuivre, qui est celui des réfugiés, et qui révèle aussi la dérive plutôt de l'Europe depuis déjà plusieurs années. À chaque fois qu'il y a eu une crise, vous avez pu remarquer que c'est toujours... un peu contrainte que l'Europe a réagi, toujours après, a posteriori, et jamais anticipé. Et ce qui est d'une certaine façon en contradiction avec l'origine même de la construction européenne, même si elle a connu des vicissitudes, des hauts, des bas, mais elle a avancé, elle a porté une perspective et une espérance. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus à la hauteur des circonstances que nous vivons. Alors, ma conviction, c'est que la crise que nous vivons là, plus que les crises précédentes, et je l'ai dit, il y en a eu beaucoup. Il y a la crise de l'euro, après la répercussion de la crise des subprimes, qui a impacté la croissance en Europe, et dont nous subissons encore les conséquences, déstabilisé l'Europe. Nous avons connu la crise grecque et ses rebondissements. Et là, on n'était pas loin de la sortie de l'euro de la Grèce. La décision, après bien des réunions, a été de créer les conditions qu'elle reste, mais nous ne sommes pas encore au bout. Et puis, il y a l'aventure que Bernard Guetta évoquait, britannique, l'énorme responsabilité prise par le Premier ministre Cameron, qui lui a peut-être permis d'être élu, mais qui peut-être demain, et il ne faut pas l'exclure, peut se traduire par une décision du peuple britannique de sortir de l'Europe. Et la responsabilité qu'il prend, il la prend à la fois pour l'Europe, ce qui nous pose une énorme question, mais il la prend aussi, et ça va peut-être vous surprendre, pour l'avenir même du Royaume-Uni. Parce que si demain il y avait un non britannique, ça serait grave pour l'Europe, et je lui reviendrai. Mais ça serait aussi grave pour le Royaume-Uni, parce qu'on sait très bien que les Écossais qui ont exigé un référendum et qu'ils ont obtenu le redemanderaient à nouveau et l'obtiendraient sans doute. Et cette fois-ci, c'est sans doute
le oui qu'il l'emporterait. Vous savez que les Écossais sont très pro-européens et aussi moins libéraux que les politiques qui sont menées à Londres. Donc nous sommes quand même face à une énorme incertitude. Et ce que je voudrais dire, c'est que la crise ukrainienne, que Yves Pascaud a eu raison de rappeler, qui n'est pas rien, qui pose aussi la question du rapport avec la Russie, et qui révèle aussi le manque de clairvoyance, pas seulement des dirigeants européens, mais des dirigeants occidentaux, qui, après la chute de l'Union soviétique, le départ de Gorbatchev, l'arrivée d'Eltsine, ont cru qu'au fond, la Russie n'existait plus, que c'était un pays comme un autre, et qu'on pouvait se passer d'une politique russe avec une vieille nation qui, à un moment, est en train de vouloir réexister, mais avec une politique qui est menée par Poutine et qui fait peur et qui est inquiétante, et qui revient au galop, non seulement à travers la question ukrainienne, mais aussi avec la Syrie. Et donc, on ne fera pas sans un dialogue et une discussion avec la Syrie. Sans complaisance, sans concession sur l'essentiel, mais malgré tout, ça fait partie de la donne. Tout ça a été laissé de côté d'une certaine façon. Et la crise des réfugiés, et je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, Mtaxil, pour rappeler le droit, car ce droit, c'est un droit sacré, et qu'il doit être respecté par tous ceux qui se sont engagés à le respecter, la Convention de Genève et les engagements européens. C'est d'ailleurs les valeurs et le droit, c'est la même la base de la construction européenne au départ. C'est ce qui la fonde. Alors c'est, certes, on commence par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la déclaration Schuman, etc. Mais n'empêche que les Européens veulent sortir de la logique de guerre en Europe. Et ils disent plus jamais, ils créent les conditions pour que ça soit plus possible. Donc c'est des valeurs qui sont à la base de la construction de l'Europe. Et aujourd'hui, la crise des réfugiés nous renvoie à toutes ces questions. L'absence de gestion des crises, d'anticipation, mais aussi l'absence de réponse qui rend l'Europe impopulaire, qui donne l'impression d'une Europe tatillonne et bureaucratique, et c'est vrai pour une part, hein, où l'Europe parfois s'occupe de détails alors qu'elle ne s'occupe pas de l'essentiel, mais je reviendrai aussi sur ce point parce qu'on ne peut pas être totalement injuste, notamment avec la Commission européenne, et pas à chaque fois qu'on a un problème, dire c'est la faute à Bruxelles pour s'exonérer ses propres responsabilités. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe ne répond pas non plus à l'espérance de la jeunesse. C'est parce que c'est enthousiasmant d'avoir une ouverture aux autres, de se sentir plus large que les propres frontières de sa propre nation. Mais l'Europe ne répond pas à une exigence légitime de la jeunesse, qui est notamment la question de la formation et de l'emploi. Vous me direz, il y a Erasmus. Mais j'ai rencontré, en 2013, le chancelier Helmut Schmidt, qui était plutôt devenu un grand sage de la politique allemande et même mondiale. Et nous avions parlé de cette question. Il m'avait dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites, vous, les dirigeants européens, pour l'emploi des jeunes ? Et pas seulement les étudiants, les chercheurs, mais aussi les jeunes travailleurs. Et ce que vous faites, alors je lui avais répondu que nous venions ensemble au niveau de l'Europe de décider de ce qu'on appelle la garantie jeune. Et il m'a dit « Quatsch !» qui me dit en allemand « C'est rien, ça manque d'ambition, et s'il n'y a pas d'ambition, eh bien vous n'y arriverez pas, et une partie de la jeunesse continuera de s'éloigner de l'Europe, et avec eux, leurs parents et leurs grands-parents. » Et puis la crise des réfugiés accélère tout ça et nous conduit dans une zone de très grand danger et de grands risques pour l'avenir de l'Europe. Alors je réponds tout de suite à la question du Ferso, faut-il moins d'Europe ou plus d'Europe? Il ne s'agit pas de mettre des couches et des couches de compétences. Il s'agit simplement que l'Europe s'assume totalement comme dans ce qu'elle a déjà comme projet. Elle doit se réformer, bien entendu, elle doit changer ses modes de gouvernance et être plus démocratique. Mais au-delà de ça, l'Europe est indispensable à l'avenir de chacune de nos nations. Dans la mondialisation d'aujourd'hui, c'est clair que dans quelques années, la France, par exemple, et ça sera vrai pour l'Allemagne, pour les autres, ce sera 1% de la population mondiale. Donc si on veut jouer un autre rôle, si on veut peser, il est évident qu'il faut continuer à se rassembler et travailler ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que la crise des réfugiés renvoie chacun à ses nationalismes et à ses égoïsmes nationaux. Et là, je suis d'accord avec Yves Pascaud, on ne peut pas, même si on trouve que ça ne va pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de milliards sur la table, et de moyens humains, à Frontex et autre chose, ce n'est pas la Commission qui est en retard. Ce sont les dirigeants politiques européens qui sont en retard.
car la Commission, dès le mois de mai, avait fait des propositions de répartition des réfugiés demandeurs d'asile sur l'ensemble de l'Europe, en fonction évidemment des populations, des capacités de chacun. Eh bien, ça avait été refusé par les dirigeants européens. Et en France, il y a même eu un débat que j'ai trouvé étrange sur la politique des quotas. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le débat sur la politique migratoire hors droit d'asile. Et vous avez, à juste titre, fait la distinction. Et, le droit d'asile, c'est, je l'ai dit, un droit sacré. Donc, alors, comment on fait pour le respecter ? Même s'il y a des conditions d'instruction du droit d'asile qui sont un peu différentes d'un pays à l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que l'Allemagne souhaite qu'il y ait une harmonisation de la manière dont on instruit les demandes d'asile et comment on les accepte. Mais il y a aussi la question de la répartition. Et là, la France, même si elle a réagi peut-être un peu tardivement, j'ai entendu les critiques de Bernard Guetta, elle a affirmé quand même la nécessité d'y contribuer, même si sa contribution peut sembler modeste. Bon. Mais je reviens un instant aussi sur votre question sur l'état des opinions publiques. Bon, ce qui est grave, c'est qu'effectivement, 25 ans après la chute du mur de Berlin, on revoit de nouveaux murs. On voit des barbelés, on voit des grillages, on voit des comme une espèce d'incapacité à faire face ensemble aux problèmes qui se posent et en se retournant aux vieilles solutions. Pour l'instant, les actes ultimes ne sont pas intervenus, mais qu'est-ce qui dit que ça ne va pas se poursuivre ? Alors que, qu'est-ce qui peut se produire ? Eh bien, je le crains, la dislocation de l'Europe. Alors, maintenant, j'ai vu que l'opinion publique en France réagissait effectivement un peu différent de l'opinion publique en Allemagne. Mais ce que je dirais là n'a pas valeur de vérité absolue, mais c'est un constat, une intuition en tout cas pour l'instant. C'est que effectivement, Madame Merkel, chancelière allemande, qui dirige une grande coalition de chrétiens démocrates, chrétiens sociaux de Bavière et de sociaux-démocrates, a pris l'initiative de parler clairement aux Allemands et de leur dire que l'Allemagne avait, avec les autres pays européens, mais l'Allemagne en premier, elle est d'ailleurs en première ligne pour l'arrivée massive de réfugiés, avait le devoir de les accueillir. Et en expliquant que, de toute façon, rien ne pouvait arrêter ce flux de gens qui fuient la guerre. Et donc, elle a pris ses responsabilités politiques. Et puis, ensuite, des décisions d'organisation ont été prises, qui ne sont pas faciles. Hein. Mais il y a une différence avec d'autres pays, c'est que l'Allemagne est un État fédéral. Et que entre ce qui est décidé par la fédération à Berlin, et le gouvernement et le Parlement, les gouvernements des Landes, des Länder, ont aussi une responsabilité, une compétence. Mais qu'il y a une règle qui a été établie depuis la création de l'État fédéral allemand, d'une répartition de la charge et des solidarités, et des transferts financiers, et en particulier en direction des Länder les plus pauvres. Donc ce système est institutionnel, et donc fonctionne. Quand le gouvernement fédéral dit, voilà, nous avons réparti dans tel land un nombre de tant de demandeurs d'asile, eh bien le gouvernement du land organise et travaille avec les communes pour l'accueil. Et ça ne veut pas dire que ça se passe facilement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème financier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de moyens matériels. Là, par exemple, il y a des villes en Allemagne où tous les équipements sportifs sont occupés et il n'y aura pas de sport dans ces équipements sportifs, au moins pendant un an, avant d'en construire de nouveaux. Donc il ne faut pas sous-estimer la difficulté de la situation dans ce pays. J'étais récemment à Sarrebruck pour représenter la France à une cérémonie qui concernait l'anniversaire du retour de la Sarre à l'Allemagne. Puisque après la Seconde Guerre mondiale, la Sarre a été sous mandat français et après un référendum en 1955, les Allemands, les Sarrois, ont décidé de retourner dans leur pays, et ce qui bien sûr leur a été accordé. Donc c'est ça que nous commémorions et qui était aussi un rappel de l'histoire de l'Europe. Car la Sarre était un achoppement entre l'Allemagne et la France pour la réconciliation. Et c'était aussi un obstacle pour la construction de l'Europe. Une fois que la question sarroise a été réglée,
Il y a eu ensuite le traité de Rome, il y a eu ensuite le traité d'amitié franco-allemand. Beaucoup de choses se sont déclenchées. Et j'ai évoqué d'ailleurs à ce sujet les leçons qui avaient été tirées après le traité de Versailles, dont on voit toutes les conséquences qu'il a pu apporter au drame européen et le prétexte qu'il a pu présenter au nationalisme allemand et à l'exploitation qui en a été faite avec le nazisme. Donc on a évoqué ça dans ses discours. Mais j'ai pris le temps pour aller rencontrer mes amis de la mairie de Sarrebruck. Et je leur ai demandé comment ça s'organisait, et j'ai surtout demandé comment réagissait la population. Et ils sont inquiets. Ils craignent des retournements d'opinion. Ils sont réalistes, ils écoutent. Et on voit que dans certaines régions d'Allemagne, le mouvement Pegida reste toujours puissant, organise des manifestations. Le parti AfD, qui est un parti de droite nationaliste, monte dans les sondages. Il y a des mots qu'on n'entendait pas et qu'on n'entendait plus. Et il y a des choses qui se passent en Allemagne qui sont préoccupantes. La montée de nationalisme très fort dans certains milieux et dans certaines régions, plus à l'est qu'à l'ouest d'ailleurs. Mais donc ça, c'est une vraie inquiétude. Mais ce qu'ils m'ont dit et qui doit nous faire réfléchir, c'est quand même l'énorme engagement des citoyens allemands pour accueillir et apporter leur concours, leur aide, et une générosité qui est très forte. Elle existe aussi en France. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les Allemands sont meilleurs que les Français, mais là, c'est massif. On a vu Munich, mais c'est à Sarrebruck. Et je vous donne quand même un chiffre qui nous aidera à réfléchir sur nous-mêmes. En Sarre, c'est à peu près 1 million d'habitants. Hein. C'est pas tout à fait la Loire-Atlantique qui dépasse 1 200 000 habitants. 10 000 réfugiés, demandeurs d'asile sont arrivés. 10 000. Je dis simplement, je me pose à moi la question, et donc je juge personne. Si nous avions à accueillir en Loire-Atlantique, là, maintenant, 10 000 demandeurs d'asile, comment réagirions-nous? Et donc, vous imaginez, à l'échelle de la France. Et pourtant, ils le font. Alors maintenant, ce que demande le gouvernement allemand et aux autres Européens, c'est que la répartition de l'accueil soit telle que la Commission l'a proposé, soit mise en œuvre. Et que sinon, on n'y arrivera pas. Et sinon, le risque, et là j'en reviens au risque politique, c'est le basculement des opinions publiques, et notamment, y compris en Allemagne. Et donc il faut faire extrêmement attention. Et à ce moment-là, on ne sait plus où on va. Donc, d'une certaine façon, je rejoins encore une fois votre propos, Bernard Guetta, qui vous vous êtes excusé en le disant, mais vous n'aviez pas à vous excuser. C'est vrai que ça va demander beaucoup de courage des dirigeants politiques. Des dirigeants politiques avant de faire des réformes institutionnelles. Mais un courage politique, et donc en France aussi, d'abord, nous-mêmes, les responsables politiques, c'est de dire la vérité aux Français. Que cette question n'est pas derrière nous, elle est devant nous, et qu'elle doit être traitée sur les deux plans, c'est-à-dire l'accueil des réfugiés, des conditions de leur intégration, mais aussi à continuer à agir à la source du problème. Donc la question syrienne, avec l'Irak, mais aussi le rapport à la Turquie, la question libyenne, tout ça est devant nous. Aujourd'hui, ou hier, il y avait la conférence Europe-Afrique à La Valette, à Malte, c'est bien. Mais après, quels sont les moyens qu'on se donne? Moi, j'étais dans le bureau du président de la République lorsqu'il a reçu c'est pas un secret d'État, je ne vous dirai pas exactement ce qui s'est dit, mais lorsqu'il a reçu l'appel téléphonique de Barack Obama à la fin août 2013, quand nous pensions, puisque nous devions faire un conseil de défense dont l'heure avait été avancée, parce que le président américain devait appeler le président français. Et donc nous pensions que c'était pour accélérer les frappes ciblées en réaction à l'utilisation d'armes chimiques qui avait été la limite qui avait été mise pour qu'on intervienne et pour casser cette spirale de la guerre et de la destruction du peuple syrien par ses dirigeants, par Saddam Hussein. je m'y perds, excusez-moi. Bon, vous avez compris. Et là, la stupéfaction de François Hollande, qui entend ce que lui dit le président américain, qui dit ben non, des conditions ne sont pas réunies et nous n'allons pas, nous, intervenir. Et bien évidemment, notre conseil de défense s'est vite terminé, puisqu'on ne pouvait pas intervenir seul. Et là, c'est vrai que sont apparues encore plus nettement les faiblesses de l'Europe, puisque seule une réaction collective,
au moins avec des pays qui en avaient les moyens. Je pense à la Grande-Bretagne. Mais ce qui s'est passé en Irak a laissé de telles traces. L'erreur qui a été tragique de George Bush, mais aussi des Britanniques, de soutenir cette intervention en Irak. Et heureusement, la France l'a refusé. Le président Chirac, mais aussi l'ensemble des formations politiques. Et c'était le cas du Parti Socialiste. J'étais dans l'opposition. Nous avons soutenu cette position de la non-intervention en Irak. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à y régler. Mais on a vu les conséquences, la dislocation. Et donc, devant nous, nous avons ces questions. Et on voit bien que si l'Europe n'avance pas politiquement, mais aussi économiquement et aussi matériellement, et donc dégager des milliards, ça révèle quand même les difficultés de l'Europe à fonctionner. Pourquoi cet argent n'est pas mobilisé? Parce qu'il y a une partie qui vient des budgets de la Commission européenne. Il faut les mobiliser et les transférer là où ils sont affectés. Vous avez parlé, vous avez cité les exemples, je ne reviens pas. Mais les autres moyens, quand il y a une décision politique qui est prise à l'échelle de l'Europe de les mobiliser, c'est chaque État qui doit les apporter. Donc soit les États ne le font pas, ou le font lentement. Donc ça révèle vraiment un dysfonctionnement d'Europe. Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre plus en commun des budgets pour agir concrètement, que ce soit pour l'Afrique ou la Turquie, comme ça a été évoqué il y a quelques instants. Donc ça, c'est une paralysie d'action. Et ce qui démoralise tout le monde, parce qu'on annonce des chiffres, des intentions, des milliards, et puis ça ne se met pas en marche. Donc ça ne peut que décourager, ça ne peut que démobiliser. Puis les problèmes sont là et ils s'accélèrent et ils s'aggravent encore. D'ailleurs, ça pose aussi une autre question. Mais c'est une question qui est aussi posée à l'Allemagne. C'est la question du zéro déficit. C'est même pas les 3%, parce que nous, on n'y est pas encore. Mais il y a deux pays qui y sont. Mais l'Allemagne est à un budget équilibré, à 0%. Et les lenders allemands ont la règle d'or qui est constitutionnelle et ils doivent d'ici 2022 être à l'équilibre ou à 0,5% de déficit au maximum. Eh bien cette crise des réfugiés qui nécessite de mobiliser des milliards et des milliards d'euros en Allemagne révèle que cette doctrine du zéro déficit à l'échelle fédérale ne va pas pouvoir être tenue et qu'à l'échelle des lenders, les objectifs de réduction des déficits à presque zéro ne pourra pas être tenus. En tout cas c'est ce que m'ont dit les dirigeants de SAR que j'ai vus, c'est vrai aussi dans les autres lenders. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que l'Europe, à cette occasion, évolue sur sa doctrine. Ça ne veut pas dire qu'il faut exagérer les déficits, mais au moins, on peut quand même être un peu plus souple et un peu plus mobile, et donc se dire que là, il y a une urgence, il y a une urgence absolue qui doit nous conduire à modifier un peu nos critères trop durs et trop sévères. Et puis en même temps, que les dirigeants européens se disent, bon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut sauver l'Europe? Donc donnons d'abord l'exemple en traitant la question des réfugiés, en les répartissant. C'est courageux, c'est difficile. Et y compris en France, il faut qu'on le fasse pour que la charge ne soit pas concentrée sur tel ou tel territoire. Et vous voyez ce que ça donne à Calais. Donc c'est dramatique. Donc il faut aussi accepter les élus nationaux, mais aussi les élus dans les régions, dans les villes, dans les départements, de toute tendance politique, de prendre leur part. Ça nous renvoie à notre propre fonctionnement politique en France. Et j'oublie pas la pression qui tétanise les dirigeants. Et vous voyez bien, on a quelques semaines, des élections régionales et c'est en train de déraper dans le discours politique. On cherche des solutions pour dire non au Front National. Mais on dira pas non au Front National en n'utilisant que la peur. Je crois qu'on dira non au Front National qui est le paroxysme du nationalisme politique en Europe aujourd'hui. Hein, là, je ne parle pas des régimes qui ont déjà fait basculer comme la Hongrie, mais c'est en étant audacieux et courageux et en assumant nos valeurs, même si ça peut présenter des risques à court terme. Mais je crois que face à l'histoire, nous avons une responsabilité et c'est maintenant d'être à la hauteur. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors on va tout de suite passer à la dernière intervention avant d'entamer le débat avec la salle parce qu'il est déjà 19h15. Alors je crois que le constat qui a été dressé est celui d'une Europe en danger, certes, mais également celui d'une Europe finalement incapable de se mobiliser ou en tous les cas de trouver des solutions pour résoudre ce problème de l'accueil des réfugiés. Alors je voulais demander à Jean-Marc Ferry finalement quelle était sa vision de philosophe de cette crise. Est-ce que véritablement l'Union européenne est en danger? Certes, mais est-ce que l'Union européenne n'a pas les moyens finalement, y compris les moyens de se réformer dans son projet pour trouver des solutions
à la question de l'accueil des réfugiés. Finalement, cette crise est un révélateur non seulement de la crise de l'Europe, mais aussi d'un repli national, d'un repli identitaire. Et puis, donc, voilà. Quel est votre point de vue sur la question pour le quart d'heure qu'il nous reste ? Et aussi d'une crise des institutions. Et d'une, tout à fait. Une crise des institutions très profonde. En tout cas, face à la crise des réfugiés, et en dépit de ce droit sacré qui vient d'être justement évoqué par Jean-Marc Ayrault, et à quoi correspond un devoir sacré, qu'est le devoir d'hospitalité, eh bien, il y a des rumeurs qui montent dans les sociétés d'Europe et qui placent les responsables politiques devant une réalité tout aussi résistante que déprimante. Il y a le sentiment qu'on ne peut pas, j'ai entendu plusieurs fois, imposer aux peuples d'Europe la coexistence avec des populations en nombre qui ont une culture par trop différente. Et puis il y a aussi, dirais-je, la répétition de cette vérité triviale qui avait été énoncée par Michel Rocard et qui a été d'ailleurs récusée par Daniel Cohn-Bendit, c'est que l'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais cela n'empêche que l'Europe doit s'ouvrir maintenant. Et on ne peut pas faire face au problème avec des principes humanistes pour seul équipement. L'appel à plus de solidarité est nécessaire, mais la situation est très complexe. Et si mon intervention peut avoir un objet, c'est d'essayer de montrer en quoi consiste, d'un point de vue systématique, cette complexité. Bon, de bien situer avec clarté la difficulté politique, de la soumettre autant que possible à la délibération, mais sans générer des fractures et sans prendre le risque d'une faillite morale et politique de l'Europe. Alors il ne m'appartient pas de donner des réponses pratiques à cette question si grave, mais je peux tenter de clarifier sur un plan théorique les termes dans lesquels, à mes yeux, se laisse situer le problème systématique que nous pose l'afflux des réfugiés. En partant de cette considération très simple, c'est que parmi les critères normatifs de l'appartenance à l'Union européenne, le premier, si on se réfère au texte officiel, le premier de ces critères, c'est l'intériorisation par les États membres et leur population des principes de l'état de droit démocratique. Or, l'état de droit démocratique repose sur un équilibre qui est difficile de réaliser entre, au fond, trois pôles concurrents de la légitimité. Et c'est l'objet de ce tableau. Il y a ce pôle qu'on peut appeler, si on veut, libéral, mais au sens large et philosophique du mot, et qui est celui des droits de l'homme, des droits fondamentaux, droits de l'homme quand c'est droits fondamentaux des individus, mais droits des gens quand il s'agit des droits fondamentaux des peuples, et de ce que l'on appelle la justice politique. Puis il y a on pourrait parler ici, n'est-ce pas, d'un pôle de l'universel, en ce sens. Et puis il y a le pôle que j'appellerais volontiers républicain, celui de la souveraineté populaire et de l'autonomie civique, autolégislation, si l'on préfère, c'est-à-dire cette exigence pour les citoyens d'une nation d'être de près ou de loin, plutôt de près que de loin, les auteurs des normes dont ils sont les destinataires. Autonomie civique, donc, je parle du pôle du général en référence au concept de volonté générale chez Jean-Jacques Rousseau. Et puis il y a ce pôle que, faute de mieux, j'appellerais communautarien, mais qui a son importance, même s'il est douteux, il existe. Celui du patrimoine culturel et d'identité nationale, qu'on peut appeler pôle du singulier, en quelque sorte, constitué par des valeurs et des traditions. Alors, tout État national se doit, en tant qu'État de droit démocratique, de stabiliser un équilibre réfléchi entre ces trois pôles. Je veux dire par là qu'en privilégiant unilatéralement ou en absolutisant l'un des trois au détriment des autres, eh bien, l'État s'expose à une crise de légitimation.
Alors pratiquement donc dans chaque État membre de l'Union européenne devrait pouvoir se réaliser une proposition qui exprime pour chacun l'équilibre entre donc ce qu'exige le droit et la justice d'une part, d'autre part ce qu'expriment politiquement les nationaux par l'exercice de leur souveraineté. Problème évidemment particulièrement grave en ce qui concerne la poursuite du processus européen. Et puis, troisièmement, ce que peut intégrer leur culture compte tenu de leur résilience plus ou moins forte. Ensuite, du fait que ces États appartiennent à une union qui tend vers une intégration politique, chaque équilibre, chaque synthèse proposée par les États membres, pour autant qu'ils soient authentiquement démocratiques, doit à son tour entrer en interaction avec les autres, de sorte que puisse se dégager ce que j'appellerais volontiers un commun européen. Et vous voyez combien nous en sommes loin. Cela présuppose un espace public transnational décloisonné, lequel fait encore largement défaut. Et dans cette mesure, l'Union européenne n'est pas mûre pour répondre de façon démocratiquement satisfaisante aux défis qui lui est opposé aujourd'hui. Voyez-vous l'idée que j'ai, c'est pas pour faire la morale à la politique. C'est pour dire qu'il faut plus d'Europe ou qu'on n'a pas les moyens opérationnels, etc. C'est vrai, mais ce qui est important, c'est aussi de considérer qu'il y a un risque de décrochage des pouvoirs de l'Union par rapport aux opinions nationales et que par conséquent, plus d'Europe, c'est très joli, mais il faut aussi en même temps plus de démocratie. Alors j'aimerais expliciter cela par deux notes de réflexion. Ma première remarque, c'est que les peuples de l'Union ne peuvent plus vivre dans la jouissance innocente de leurs acquis, de leur standing de vie, dirais-je. Si la crise des réfugiés revêt une signification historico-mondiale, c'est d'annoncer la nécessité imminente de consentir à une certaine redistribution volontaire de la richesse mondiale. Et cela ne se fera pas d'un coup au niveau planétaire, comme le voudraient certains théoriciens contemporains de ce que l'on appelle la démocratie cosmopolitique, surtout du côté anglo-américain, mais à des échelles régionales ou macro-régionales, et l'Union européenne est à cet égard en première ligne. Son défi, c'est d'assurer une ouverture aux rives méridionales et orientales de la Méditerranée, qu'elle doit aider à stabiliser sous un principe, dirais-je, de conditionnalité positive intelligemment réfléchie. Quoi qu'il en soit, notre bulle de réalité cadrée dans des États territoriaux éclate. Et en même temps, une nouvelle conscience morale et politique devrait émerger. C'est la conscience du fait, pardonnez-moi l'expression brutale, que l'innocence elle-même est une faute. Rien ne justifie en effet que nous soyons seuls à profiter d'un bon climat, d'une bonne hygrométrie, des ressources abondante et d'une exceptionnelle sécurité. C'est justement notre sécurité qui sera détruite par ceux qui se sentent exclus. Ceux qui se sentent exclus, dirais-je, de cette île, dit-on, cette île de, suivant l'expression consacrée, de prospérité, de liberté et de sécurité qu'est censément l'espace européen. Il faut de prendre conscience d'une responsabilité pleine à l'égard de notre périphérie. L'entêtement sur la voie funeste de l'Europe forteresse, dirais-je, se paiera de la destruction de l'Union et de l'idée d'Europe. Ma seconde réflexion, c'est qu'il est trop tard ou trop tôt, je ne sais pas, pour tenter des compromis d'équilibre idéal du type de celui que j'ai voulu profiler, donc entre ces trois pôles de la légitimité. Pourquoi ? Parce que pour cela, il aurait fallu que les citoyens de l'Union aient été formés aux politiques européennes. Et c'est sur ce point que j'aimerais attirer votre attention. D'un côté, les États membres ne peuvent faire face isolément à l'afflux des réfugiés. Ils doivent concerter entre eux des conditions d'accueil. D'un autre côté, cependant, les instances ou pouvoirs publics de l'Union européenne souffrent auprès des peuples d'un préoccupant déficit de légitimité et de représentativité. Le pouvoir communautaire, en tout cas, manque d'une assise transnationale, et c'est d'autant plus dommage, on l'a dit, et tout à fait justement, on l'a dit et répété,
que la commission Juncker a pris une position exemplaire. Mais elle demeure, parce que c'est Bruxelles, le mauvais objet politique par excellence. Et en l'état d'urgence où se trouvent les réfugiés, comme les pays d'accueil, eh bien, les États, nos États, doivent assumer une situation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est non idéale au point de vue démocratique. Et je pense que ça nous plaise ou non, nous sommes obligés maintenant de l'assumer. En clair, du fait que les peuples sont laissés depuis bien trop longtemps en dehors des processus décisionnels européens, ce qui était d'ailleurs la volonté de Jean Monnet, les responsables se voient aujourd'hui astreints à assumer des positions post-démocratiques. De bons esprits en viennent à déclarer publiquement, et je pense qu'ils reçoivent une large adhésion, que les politiques doivent s'affranchir de leurs opinions publiques. C'est prendre acte du fait que la volonté des populations n'a plus d'autre valeur que celle d'une contrainte systémique parmi d'autres. Et en ce qui concerne la France, est-on seulement en mesure de supposer, comme le fait Danny Cohn-Bendit, que si on expliquait bien la situation aux Français, alors ils seraient peut-être aussi ouverts que les Allemands? D'ailleurs, ces derniers semblent à leur tour ébranlés dans leur ferme résolution d'accueil, ainsi que l'indiquerait le bug récent au sein de la CDU. Et de fait, les pays riches d'Europe s'apprêtent à accueillir quelques 200 000 réfugiés chaque année. Et comment les gouvernants vont-ils s'y prendre pour faire accepter cela aux populations dans un climat détérioré par la crainte de l'islam qui parfois va jouxter l'aversion? Mais il est maintenant trop tard, vu l'urgence, pour attendre qu'ait porté ses fruits le chemin de décentration requis par une identité post-nationale qu'il aurait fallu former en concomitance avec le développement du processus européen. Parce que l'intégration était essentiellement fonctionnelle et systémique, mais ça n'a pas été une intégration civique. Alors, en dépit de la note pessimiste, un point positif est peut-être de faire ressortir l'actualité d'une tâche importante, que j'ose même dire urgente, établir les conditions institutionnelles d'émergence d'une culture publique ou politique partagée au niveau européen, étant entendu qu'une telle réalisation ne se décrète pas, qu'elle requiert un décloisonnement des espaces publics nationaux, tant sur le versant médiatique ou audiovisuel, soyons concrets, que sur le versant démocratique ou parlementaire. Et là, il y a des moyens. Et si une telle tâche était prise en charge, alors les citoyens de l'Union pourraient espérer se tenir à hauteur d'une idée d'Europe qui, en son fond, tant que je puisse voir, revient à l'idée cosmopolitique au sens, pardonnez ses amours philosophiques, au sens où Emmanuel Kant en avait en son temps, c'était 1795, et oui, esquissait le plan. Et le schéma kantien parle en effet pour une union transnationale intégrée horizontalement, intégrée politiquement, mais sur les voies horizontales de la concertation des États, de la coordination de leur politique publique. Il ne faut pas renoncer à cette voie difficile, qui suppose un long et difficile apprentissage moral et politique, mais qui est la voie payante à terme, bien préférable à mon avis à la voie directe et verticale qui consiste à élaborer un État fédéral supranational, même si on ne le dit pas en clair. Je crois que cette voie longue, cette voie d'apprentissage, de la concertation entre les États membres, permet d'entrevoir la promesse d'un cadre, et je dirais du cadre, approprié à l'élaboration d'un droit d'asile, sinon revisité, en tout cas bien appliqué. Merci. Merci à tous les intervenants pour la qualité de vos propos, qui, je pense, nous ont tous fait progresser dans la définition du problème et surtout dans la perception de l'ensemble des difficultés que nous avons collectivement à régler pour dépasser cette crise. Alors maintenant, on va entamer peut-être tout de suite le débat avec le public, parce que je ne veux pas rajouter des commentaires aux commentaires.
Alors vous êtes très nombreux, on va essayer de s'organiser de manière à pouvoir répondre au maximum de questionnements. Peut-être qu'on va essayer de prendre trois questions, les questions par groupe de questions. Alors je vous demande de bien attendre le micro qui va circuler car nous sommes enregistrés. Hein, je vous rappelle d'ailleurs, je remercie Radio Nantes, hein, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, pour l'enregistrement des débats. Le débat est également filmé. Alors je vous demanderai donc de bien prendre le micro pour des questions assez courtes et synthétiques qui appelleront, je l'espère, des réponses tout aussi courtes et synthétiques pour que le maximum de personnes puissent prendre la parole. Alors, on y va. Donc on va déjà prendre un premier groupe de 3 ou 4 questions. Monsieur veut commencer devant. Marie, si tu peux donner le micro au jeune homme. Donc on va prendre un groupe de 3 questions et on va essayer d'y répondre. Alors vous pouvez vous adresser soit au collectif, soit à tel ou tel des intervenants. Allez-y, monsieur. Donc moi, ce serait plutôt au niveau des intervenants en général. Vous parlez de création notamment de hotspots dans les pays hors Union européenne, mais ce n'est pas quand même un problème, un moyen de refouler le problème, alors que ce sont pourtant des pays instables. Si on regarde la Turquie, qui est sous un régime autoritaire avec Erdogan, le Liban qui vient de subir un double attentat de la part de Daesh contre le Hezbollah, ou l'Égypte qui vient de subir également, hypothétiquement, un attentat sur un avion dans la péninsule du Sinaï. Une deuxième question. Là-bas, à gauche. Allez-y. Merci. Bonsoir. Alors, je crains d'être encore un peu trop général pour une question, mais moi, c'est juste, j'ose espérer un changement politique. Et peut-être, je commencerai plutôt par l'opinion publique. Moi, je me demande juste comment on pourrait imaginer, comment ce serait possible de changer les termes du débat, les termes en tout cas de l'opinion publique qui ne réagit que, bah parce que là, il y a eu une photo, ça a choqué, il y a eu une réaction politique. Et est-ce que là, du coup, j'emprunterai la définition de Boltanski, pardon, qui lui dit bah, la politique est une suite d'événements. Je crois que là, j'ai vraiment envie de faire le lien entre comment on arrive à sortir de ça, de cette politique qui est juste une suite d'événements, une réaction pour justement répondre à une opinion publique en face. Comment on change les termes du débat ? Sortir de l'émotion, peut-être, pour aller vers une réaction plus différente des opinions. Une troisième question, peut-être. Je ne sais pas où est le micro. Ici, il y a une troisième question. Non, pas pour l'instant. On va écouter, on va commencer à répondre à ces deux-là. Donc, sur peut-être la première question sur les hotspots et finalement sur la tentation de l'Europe de rejeter le problème à l'extérieur. Peut-être, Yves, tu veux répondre là-dessus. Et puis après, on verra le problème des opinions publiques. Peut-être avec l'avis de Jean-Marc Ayrault, de Bernard Guetta. Bien, sur les hotspots, la question se pose dans ces termes-là actuellement à l'intérieur même de l'Union européenne, puisqu'il n'y a que 2 États membres qui en bénéficient, la Grèce, l'Italie. Ensuite, il y a un dispositif qui vise effectivement à pouvoir installer à l'extérieur de l'Union européenne un ensemble de zones dans lesquelles on pourrait identifier les personnes et au besoin les réinstaller sur le territoire de l'Union européenne. La grande difficulté est de savoir avec qui est-ce qu'on négocie. Évidemment, on négocie pas aujourd'hui avec la Libye, même si le Service européen d'action extérieure fait un gros travail pour essayer de faire en sorte que la Libye soit dotée d'un gouvernement avec lequel on puisse effectivement négocier. Vous mentionnez la Turquie. La Turquie a refusé dans un premier temps. Ça va très certainement être l'objet des négociations qui vont se tenir sur le sommet Union européenne-Turquie qui devrait être organisé à la fin du mois, aux alentours du 22 novembre normalement. Donc avec qui, c'est déjà la première question. Identifier le pays tiers avec lequel nous allons développer éventuellement ce type de zone, puisqu'on ne peut pas le faire sans l'accord des pays tiers. Ensuite, comment ? Quelles sont les organisations qui vont être appelées à intervenir ? Est-ce que ce sera les autorités du pays d'accueil ? Est-ce que les autorités du pays d'accueil accepteront que le Haut Commissariat aux réfugiés intervienne, que l'Organisation internationale des migrations intervienne, que des autorités nationales des États membres avec Frontex et ASO, etc. interviennent ? Tout ça, c'est un dispositif, sachant
enfin que l'Union européenne, et on revient à la notion de l'état de droit, hein, et l'état de droit, c'est de considérer qu'on s'est engagé à respecter un ensemble d'obligations internationales à l'intérieur même de l'Union européenne, mais aussi dans ses relations à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas habilité, normalement, à négocier et à avoir un partenariat avec des pays tiers et partenariats qui aboutiraient en réalité à des violations des droits de l'homme. Voilà le cadre à peu près. Donc c'est en réalité une question extrêmement compliquée et à laquelle un nombre croissant d'États membres cherchent à trouver une solution en disant, comme le disent les Britanniques, « not in my backyard », c'est-à-dire pas dans mon jardin, mais plus loin, donc dans les pays tiers. Donc c'est une question qui va revenir de manière régulière sur l'agenda. Juste pour compléter, certes, vous avez qualifié le régime de M. Erdogan, bon, je ne développerai pas ce point, mais n'empêche que l'Union européenne a le devoir de discuter et négocier avec la Turquie, compte tenu de ce que subit aussi la Turquie, il ne faut pas le sous-estimer, même si on a des désaccords profonds avec certaines pratiques et certaines politiques qui sont conduites, et l'évolution du régime. N'empêche que les réfugiés sont là de façon massive. Et s'il n'y a pas une discussion et une négociation, donc aussi des moyens sur la table, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la mobilisation des moyens financiers, c'est se mettre la tête dans le sable. C'est pas un hasard si la chancelière allemande est en pointe sur cette question-là. Alors ça ne veut pas dire on vous paye et puis vous gardez tout les demandeurs d'asile, mais c'est la négociation qui doit faire évoluer ce sujet. Alors, je ne sais pas si vous... Ah, il y avait aussi la question des opinions publiques, pour vous comme pour Bernard Guetta, et surtout peut-être le contraste entre les émotions collectives soudaines et puis la réalité, au fond, des réactions des juste opinions. Juste un mot, pour vous permettez que je complète la phrase de Michel Rocard, que vous avez cité tout à l'heure, vous avez dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il avait dit qu'elle doit en prendre toute sa part. Donc c'est plus juste de la citer dans son entier, mais souvent, et ce n'est pas votre intention, mais souvent elle est citée qu'à moitié, évidemment ça donne l'impression on renvoie le problème. Il y a une phrase que vous avez dite, madame, tout à l'heure, en citant Boltanski, je crois, c'est ça, vous disiez la politique ce n'est qu'une succession d'événements. Ça peut arriver, et ça arrive d'autant plus que la politique elle-même, elle est soumise à l'émotion. Et elle gère les émotions des opinions publiques. Et puis après une émotion, on passe à une autre émotion, puis encore une autre émotion, et ça ne fait pas une ligne politique. Et ça, c'est sûr. Et c'est là peut-être que nous sommes attendus pour des messages sur des temps plus longs, des perspectives. Alors, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, un courage et une lucidité, même si ça peut coûter, et puis coûter même à court terme. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il est important que les dirigeants européens, et en particulier l'Allemagne et la France, parce que c'est par l'Allemagne et la France, la dimension franco-allemande, la relation franco-allemande, que l'Europe avance, se relance, par des compromis successifs, parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord, nos histoires, nos modèles ne sont pas exactement les mêmes, mais face aux périls, face aux dangers, aux risques, et je pense qu'il serait nécessaire que la chancelière allemande, le président français, s'adresse aux Européens, parle à nouveau devant le Parlement européen, et pour dire ce qu'ils veulent faire de l'Europe maintenant. Pas forcément pour tout régler, réformer les traités en 6 mois, etc., ça n'est pas possible. Mais dire voilà le constat que nous faisons de la crise de fonctionnement de l'Europe, et notamment la question démocratique, que vous avez à juste titre évoquée, parce que la contestation des peuples européens qui se retournent vers leur nation, c'est souvent sur une base de légitimité démocratique. Et donc, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Quel pouvoir on donne au Parlement européen pour ça me paraît être une des questions très importantes et sur bien des sujets. Et comment on remet de la démocratie et de la dimension citoyenne dans le fonctionnement de l'Europe pour que les citoyens des différentes nations européennes n'aient pas cette impression, effectivement, d'un pouvoir qui leur échappe. Parce que ce qui reste la force du citoyen, c'est quand il peut peser sur la décision de ses dirigeants, quand il peut les renvoyer quand ils ne sont plus d'accord. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression que cette capacité échappe
aux citoyens européens, puisque c'est à un second degré que les décisions sont prises. Donc moi, j'attendrai du président français et de la chancelière de constater ça, de faire des propositions, non pas de solutions immédiates, mais de méthodes avec un calendrier, pour que ça soit clairement annoncé devant le Parlement européen et aux opinions publiques européennes, et ce qui nous donnera aussi plus de capacité pour traiter les problèmes de l'urgence. Mais c'est ça qui nous évitera, effectivement, d'être dans une succession d'événements qui dénature la politique, qui lui font perdre toute sa force et tout son sens. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Ah, peut-être un petit mot, Bernard Guetta, sur la réaction des médias et des opinions publiques sur cette crise des réfugiés. On a vu toute la timidité relative des médias, notamment à publier la fameuse photo là, qui a provoqué une émotion, qui a fait un petit peu bouger les lignes. Qu'est-ce que vous pensez finalement, j'allais dire, du traitement médiatique de cette crise des réfugiés et également de l'évolution de l'opinion publique face à cette crise ? Et la première réponse serait de dire que les médecins ne critiquent jamais les médecins et que donc point de suspension. La deuxième réponse, elle est évidemment beaucoup plus complexe, mais quelques réflexions en vrac. Premièrement, dans toutes les périodes de l'histoire, enfin en tout cas de l'histoire des démocraties et des presses libres, les salles de rédaction reflètent, parfois avec quelques années de décalage, mais fondamentalement reflètent l'état de l'opinion. Pourquoi voulez-vous que les journalistes soient très très différents des autres Français ou les journalistes allemands des autres Allemands ? Je vous assure que ce n'est pas le cas. Il y a de très nombreuses années, je n'avoue pas leur nombre, que je fais cette chronique sur France Inter, j'ai vu évoluer au fil des générations, au fil des temps, les cultures et les réactions politiques de cette rédaction. Et non pas parce qu'une force occulte aurait voulu la changer. Non, tout simplement parce que la société évolue et que les salles de rédaction font partie de cette société. Troisième point, les journalistes, et je peux en témoigner personnellement, sont très désarmés devant des hommes ou des femmes politiques qui mentent systématiquement et grossièrement. Parce que, nommons-les, quand vous avez en face de vous, ça m'est arrivé, Monsieur Philippot, dans le studio d'Inter, qui dit, comme il aurait dit, il fait jour à midi, le gouvernement ukrainien dirigé par l'extrême droite et des néo-nazis. Là, l'air vous manque, et vous lui dites, écoutez, il y a deux partis d'extrême droite en Ukraine, ce sont les faits, et à eux deux, aux dernières élections, ils ont fait moins de 6% des voix, c'est-à-dire, cher monsieur Philippot, beaucoup moins que l'extrême droite en France, et ils ne sont évidemment pas au pouvoir. De toute manière, vous êtes le porte-parole du département d'État. Ah bon ? Qu'est-ce que vous voulez répondre ? Vous êtes, non, je ne suis pas le porte-parole du département d'État. Je veux dire, à part... Enfin, on est entre nous, ça ne sort... Ah non, on n'est pas entre nous, c'est enregistré par une radio. Oui, oui, mais quand même, les réseaux sociaux, ça existe. Je veux dire, bon, à part lui dire votre façon de penser, pour rester courtois, et ne pas employer de gros mots, qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce qu'il est presque impossible à une équipe de journalistes, celle de la matinale en l'occurrence, qui reçoit Monsieur Machin ou Madame Truc, de dire Madame Truc, Monsieur Machin, vous mentez comme un arracheur de dents. C'est très compliqué. Alors on peut le faire comprendre, mais comme ils s'en foutent complètement et qu'ils continuent à mentir de plus belle, premier mensonge, l'extrême droite qui est au pouvoir en Ukraine. Le premier mensonge n'a pas marché, ben le deuxième, vous êtes le porte-parole du département d'État. C'est tout. C'est-à-dire on efface un mensonge par l'autre. Ce métier est très démuni. Par moments, je me dis, mais nom de Dieu, finalement, si j'étais un homme politique, là, oui, je pourrais lui casser la gueule. Mais je ne suis qu'un journaliste.
je ne sais pas comment on fait. Moi, je ne sais pas comment on fait. Je vous avoue très humblement que je suis devant des gens qui mentent systématiquement. Je suis démuni. Hier, il y avait un autre invité, ou avant-hier, enfin, il y a quelques jours, quoi. Il y avait un autre invité dans le studio qui disait « C'est tout de même incroyable, en France, le dernier arrivé est le mieux traité. » Ah oui, ah oui. Les réfugiés syriens sont les mieux traités en France. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Le coupé lui dit, enfin monsieur, vous avez bu ? Je ne sais pas. Merci. Merci. Alors, on va peut-être reprendre une autre série de questions sur la droite, là-bas. Je suis content parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui posent des questions. Allez-y. Bonsoir. Je voudrais savoir, en fait, je voudrais peut-être revenir un petit peu sur la dernière phrase de M. Bernard Guetta. Le dernier arrivé, le mieux accueilli, c'est ça ? Non. Le mieux servi. Ce n'était pas ma phrase, hein. C'était une citation. Mais justement, en fait, j'ai une question en fait, sur ce sujet-là. Admettons en fait que tous les États membres de l'Union européenne assument leur responsabilité vis-à-vis en fait l'accueil des réfugiés. Cette obligation en fait juridique qui est internationale ne rentre pas finalement en conflit avec la montée en puissance du racisme et la xénophobie. Dans ce cadre-là, justement, comment accueillir ces nouveaux réfugiés et surtout en fait leur donner en fait des conditions de vie qui sont convenables. Comment respecter le droit quand les gens n'en veulent pas ? C'est un peu ça ce que vous voulez dire. Alors, une première question, ensuite une autre, mademoiselle, derrière, voilà, allez-y. On en aura une troisième au milieu, là. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais revenir sur une question qu'a soulevée M. Pasco, et notamment à savoir s'il n'y avait pas assez ou s'il y avait trop d'Union européenne. Mon avis personnel aurait été qu'il n'y a pas assez d'Union européenne et qu'il en faudrait plus. Et le second point que j'aimerais soulever dans ma question, c'est la question de la citoyenneté européenne. Et savoir s'il existe réellement aujourd'hui une citoyenneté européenne. Et du coup, pour faire le lien avec les deux, se demander si pour qu'il y ait plus d'Union européenne ou qu'il y ait une réforme de l'Union européenne, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer justement plus de citoyenneté européenne et faire participer les citoyens européens au processus de décision de l'Union européenne ? Ensuite, monsieur. Oui, bon, moi je m'adresse à qui veut répondre parmi vous, hein, je dis peu importe. D'abord, je crois qu'il y a une chose qui n'a pas été... disons, sur lequel on n'a pas insisté, c'est que l'accueil de ces réfugiés, même si ça n'en a pas l'air et si c'est paradoxal, est une forme d'égoïsme intelligent. Parce que si les frustrations sont exacerbées, ça se terminera dans la violence, c'est une évidence. Et il y a un deuxième point qui est, disons, à l'autre frontière du sujet, qui n'a pas non plus été abordé. C'est que, bon, il y a une urgence, personne ne le nie, mais cette urgence, elle n'est pas prête de se régler, et ça sera toujours une urgence si on ne fait rien ailleurs. L'urgence sera pour une durée totalement indéterminée, et même indéterminable. Hein, je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait un jour. Donc il faut envisager autre chose pour que l'urgence ralentisse, non pas par égoïsme, mais simplement qu'elles deviennent gérables. Et cette autre chose, il y a eu des tentatives historiques pour le faire. Ça a coûté très cher et ça n'est jamais arrivé aux bons endroits. Toutes les masses d'argent qui ont été dépensées dans un certain nombre de pays, bon, il y a encore des scandales, la Moldavie, il y a eu le Burkina Faso il n'y a pas longtemps, etc. On peut en citer autant qu'on en veut. C'est pas ça qui est important. Disons que si on reprend les mêmes moyens, on aura les mêmes résultats. Donc il faut changer de méthode. Je pense que ces moyens existent.
puisqu'on les a toujours trouvés, mais on peut peut-être les utiliser, c'est là où je pose une deuxième question, en utilisant tout un tissu associatif qui existe sur les territoires des pays qui, accepteraient de travailler de cette manière-là. Et ce tissu associatif est contrôlable, il existe des tas d'organismes du genre Cour des comptes, et il permettrait en plus de créer des liens personnels, ce qui n'existe pas avec les aides qui viennent du haut. Or, je pense qu'à partir du moment où il y a des liens personnels, les gens commencent à se connaître, et ça peut régler un petit peu le problème, disons, d'intégration de gens différents. Voilà, j'ai terminé. Merci. Excusez-moi d'avoir été si long. Merci. Alors peut-être trois problèmes. Donc d'abord, le point que vous avez souligné, c'est-à-dire comment faire comprendre finalement qu'il s'agit d'un égoïsme intelligent, l'accueil des réfugiés, et que finalement c'est notre intérêt de les accueillir le mieux possible. Ça c'est un premier point. Le deuxième point qu'a soulevé monsieur, c'est sur les moyens de l'accueil, et finalement se reposer peut-être davantage sur les acteurs de proximité pour assurer un accueil plus équilibré, en tout cas plus efficace. Puis il y avait une autre question sur la citoyenneté européenne et peut-être sur le politique. Alors je ne sais pas qui veut répondre dans l'ordre ou à toutes ces questions. Là, je me retourne vers les intervenants. Qui est volontaire ? Alors Jean-Marc Ayrault sur un point. Pas répondre sur tout, mais monsieur, vous avez tout à fait raison. Je pense que à partir du moment où le discours politique est un discours de vérité sur la charge qu'on doit assumer d'accueil des demandeurs d'asile, mais aussi de faire en sorte de les répartir sur l'ensemble du territoire, là, dans les départements, les villes, de façon équilibrée, évidemment, en fonction des capacités territoriales. Mais ça ne peut pas se faire si on n'associe pas les citoyens. Alors, associations organisées pour, d'une part, qu'ils soient vraiment dans le coup de la décision et de sa mise en œuvre, hein, et qu'ils soient associés, pas seulement du point de vue de l'action humanitaire, et puis qu'ils soient aussi acteurs de l'accueil et de l'accompagnement. Je pense que c'est indispensable. Je ne dis pas que ça réglera tous les problèmes d'opinion publique. Il y aura des gens qui auront peur, il y aura des gens qui seront réticents. Mais déjà, si on voit, je citais l'exemple que j'ai vu l'autre jour à Sarrebruck, si on voit, comme ça existe aussi déjà chez nous, mais de façon plus forte encore, des hommes et des femmes de toute génération qui viennent et qui sont là, qui sont présents, ça sera aussi une référence pour les autres citoyens, qui verront des citoyens qui s'engagent, qui font quelque chose et qui expriment un sentiment de solidarité et qui s'engagent pour que ça devienne concret. Je pense que ça sera utile pour tous. Donc moi, je partage cette exigence, ce que vous avez dit à l'instant, mais sur les autres points, évidemment, je ne suis pas le seul à répondre. Alors, je vais laisser la parole à Bérangère Taxil, peut-être, puis ensuite à Yves Pascourt. Merci, un micro suffira bien, merci. Quelques réflexions sur le lien entre les peurs individuelles, le rôle des politiques et le droit. Parfois, on peut avoir le sentiment que la sphère politique inverse un peu la réflexion qui consisterait à dire face à des peurs individuelles, eh bien ces peurs, il faut peut-être les faire cesser ou les diminuer ou en tout cas rassurer. Et on se trompe parfois de logique en répondant aux tentations populistes par une réponse qui est uniquement sécuritaire. Et je renvoie à Yves Pascaud également en disant que les réponses apportées en ce moment par les États, mais aussi apportées par l'Union européenne, sont uniquement sécuritaires. Tripler le budget de Frontex, c'est bien, c'est certainement utile. Mais Frontex absorbe finalement toute la lumière de l'action de l'Union européenne actuellement, alors qu'il s'agit d'un organe de policiers, de militaires, de gardes frontières, et donc de cette logique sécuritaire qui n'est pas la bonne ou pas complètement ou pas la seule à mettre en œuvre. Et pour répondre à cette question sur les liens entre xénophobie et droit, eh bien je suis convaincue que le droit joue toute sa place et que les politiques doivent expliquer aux populations que non, l'étranger n'est pas une menace, quand bien même il serait noir ou quand bien même il serait musulman, que s'il y a 10 000 demandeurs d'asile accueillis en SAR, il n'y en a que 1 200 dans les pays de la Loire. On est loin du compte, et je ne parle pas de la Loire-Atlantique, mais des pays de la Loire. Et puis, il faut aussi donner sa place aux enseignants, aux tissus associatifs et à tous ceux dont le rôle est d'éduquer.
et éduquer les personnes à la solidarité, à la fraternité. On se rappelle quand même que ça fait partie de notre triptyque franco-français. Donc l'éducation importe. Et si on veut bien laisser le côté, j'aime pas tellement l'expression, je suis désolée, du droit sacré qu'on utilise beaucoup. Non, laissons le sacré à Mahomet, à Jésus et à tous les autres. Le droit est fondamental dans cette dimension de protection de la dignité de l'être humain. Le droit d'asile est un droit fondamental, mais malgré tout, les États s'engagent que dans la mesure où ils le veulent bien. Et puis, il y a peut-être une chose qu'on n'a pas évoquée ici, c'est qu'un certain nombre d'États ne se sont pas engagés à l'égard de ce droit international de l'asile, la Convention de Genève de 1951, par exemple. Eh bien, si nous, en Europe, nous sommes tous engagés à la respecter, ce n'est pas le cas des 6 monarchies du Golfe. Et ces États qui sont eux aussi frontaliers des pays du Proche et du Moyen-Orient immédiatement en crise, justement, peut-être que c'est aussi le rôle des politiques que de leur rappeler qu'il existe un droit international d'asile et que tout le monde pourrait y participer. Je voudrais juste dire un dernier mot sur le HCR qui a été mentionné. La réponse sécuritaire apportée en augmentant le budget de Frontex ne doit pas masquer justement qu'il existe bien un organe international chargé de la protection des réfugiés, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, que les États lui ont donné mandat, et tous les États de la société internationale lui ont donné mandat pour veiller à la protection des réfugiés, que le HCR est présent partout sur les territoires, et que peut-être l'Union européenne, de la même façon que les États au niveau individuel, devrait davantage discuter avec le HCR pour lui donner davantage de moyens. Il y a donc des réponses possibles, autres que sécuritaires, et je voulais surtout insister sur cette dimension éducative à laquelle on peut tous contribuer. Merci. Merci. Messieurs, la parole est... Sur la citoyenneté, en fait. Je crois que tout le monde veut réagir un petit peu, donc... Oui, je vais essayer de faire rapidement. La citoyenneté européenne, elle existe en droit, en tous les cas. Il y a un article du traité qui la consacre. La liberté de circulation est un droit qui appartient aux citoyens dans les conditions d'exercice du traité, mais c'est aussi la participation politique. Chaque citoyen européen est appelé à désigner ses représentants au Parlement européen, et Parlement européen qui a réussi quand même un tour de force sur la dernière législature de faire imposer comme président de la Commission européenne le vainqueur des élections du Parlement européen. Ce qui veut dire en réalité que le poids et la participation du citoyen européen dans le dispositif politique est en réalité beaucoup plus important qu'on l'imagine, sauf à considérer aujourd'hui que, évidemment, le contexte Union européenne n'est pas forcément quelque chose qui est prioritaire. Et je veux revenir sur ce qui était dit par Bernard Guetta à l'instant, notamment sur la capacité d'un ensemble de représentants ou de personnels politiques à raconter tout et n'importe quoi, en particulier sur les questions européennes, parce que moi, je ne l'expérimente que trop. Il y a très peu de journalistes qui ont une culture européenne développée. Les questions européennes sont assez mal connues par un certain nombre de journalistes, ce qui permet aux représentants des formations politiques de pouvoir avoir une autoroute. Et de ce point de vue-là, je voulais saluer et rendre hommage au travail remarquable qui est fait par Euradio Nantes, qui est vraiment une radio qui a situé l'Europe au cœur de sa ligne éditoriale, très simplement parce que passer l'actualité non seulement internationale, nationale, mais aussi locale au tamis européen est quelque chose qui fera prendre conscience aux citoyens que la chose européenne, c'est pas simplement ce que vous disiez à juste titre tout à l'heure, Bruxelles. Moi, je m'insurge contre cette idée selon laquelle Bruxelles, c'est compliqué parce que c'est loin. Sortez dans la rue, prenez votre magnétophone et prenez n'importe quel citoyen et vous lui dites, est-ce que vous pourriez me donner la répartition des compétences entre la commune, le département et la région ? Il sait pas. Merci. Alors, je crois que Jean-Marc Ferry voulait réagir, ou Bernard Guetta ? Et l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Merci, je vais prendre mon micro. Merci. Pour le plaisir de polémiquer un tout petit peu avec Bérangère Taxil, j'aimerais quand même dire sur le sacré, que c'est peut-être un peu dommage de le reléguer avec condescendance religieuse. Sacré, c'est bien sûr que c'est un concept religieux aussi, n'est-ce pas ? Mais on peut le prendre de façon plus radicale au sens de la racine, en considérant que est sacré ce pourquoi on peut se sacrifier, et sacrifier sa vie, par exemple,
on peut, j'espère en tout cas, qu'on est encore capable de sacrifier sa vie pour la liberté, sous peine, comme disait Hegel, d'avoir peur de mourir, d'avoir peur de mourir. Et donc, il y a du sacré, séculier, j'en suis tout à fait convaincu, et ben, dans ce sacré, il y a effectivement des droits fondamentaux. Donc je tenais à dire cette position, n'est-ce pas ? Mais plus fondamentalement, ou dans un autre domaine, par rapport à ce qu'a dit Bérangère Taxil, bien sûr que... Pour rappeler la façon dont Michel a résumé une question qui avait été posée, comment respecter le droit quand les gens n'en veulent pas, c'est bien sûr qu'il faut expliquer, qu'il faut faire de la pédagogie, comme on dit, mais il y a quelque chose d'irritant dans ce côté, dirais-je, français, pédagogique. Les politiques se trompent, ont des échecs, ils disent on n'a pas suffisamment expliqué. Comme si le peuple, comme on disait jadis, aujourd'hui les publics, étaient des enfants. Et donc, je crois qu'il faut expliquer, qu'il faut former, mais peut-être sur un moyen, sur un schéma différent du schéma conventionnel de la relation du maître à son élève, même si on peut aménager cette relation, bien entendu. Et c'est pour suggérer plus positivement que pour former des citoyens, il ne faut pas les éduquer au sens de près ou de loin de l'école. Il faut les éduquer, si je puis dire, ou les former, je préfère ce mot, en les faisant participer aux contentieux qui peuvent surgir, par exemple, et notamment dans le processus européen, qui devrait non seulement être intelligible et cohérent, bien sûr, mais lorsqu'il y a des vrais contentieux, plutôt que de les masquer. Par exemple, il y a eu des contentieux entre la France et l'Allemagne avec la nouvelle élection présidentielle française de François Hollande, puisque le mot d'ordre de la campagne, c'était réorienter l'Europe pour redresser la France. Donc on attendait, là, effectivement, une explication entre la France et l'Allemagne. Et effectivement aussi une confrontation. Cette confrontation, elle n'a pas eu lieu publiquement. Je ne sais même pas si elle a jamais eu lieu. Or, il me semble que Français et Allemands sont suffisamment amis pour prendre le risque de la démocratie entre eux, c'est-à-dire sortir du registre purement diplomatique, qui est plus ou moins secret, pour mettre en arène les contentieux sur l'orientation de l'Union européenne. Et c'est un sujet très grave, avec les crises qui sont liées. Et si on met en arène ce contentieux, notamment franco-allemand, mais pas seulement, peut-être qu'il s'est apaisé aujourd'hui, eh bien, les gens veulent comprendre. Ils veulent prendre parti pour ou contre. Et pour prendre parti pour ou contre, vous voyez que ce n'est pas du tout le schéma pédagogique conventionnel, eh bien, ils doivent comprendre ce qui se passe. Et bien entendu, pour cela, il faut accepter d'assortir le politique européen de ce principe que j'allais dire sacré, qui est le principe de publicité au sens noble, qui est de faire un usage public de ce qui se produit dans le politique au niveau principal. Merci. Bernard Guetta veut-il dire un autre mot ? Non ? Alors c'est dommage, Jean-Marc Ayrault est parti, hein, il est désolé, il s'excuse, il avait un autre rendez-vous, mais il aurait pu certainement réagir à ce que vient de dire Jean-Marc Ferry sur la nécessité d'une réaction franco-allemande, ou en tous les cas d'un discours franco-allemand cohérent sur ces problèmes. On peut peut-être, alors il est 20h05, on peut aller peut-être encore prendre une dernière série de questions, et pour conclure, les deux étudiantes ici veulent dire quelque chose, et puis madame, et on s'arrêtera ensuite. Allez-y. Oui, effectivement, c'est dommage que monsieur Jean-Marc Ayrault soit parti, parce que cette histoire de volonté politique, elle est vraiment importante. Merci monsieur Guetta d'avoir souligné qu'il n'y a pas que deux positions européennes, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Il y a la position allemande et suédoise, il y a la position de l'Europe de l'Est et puis il y a la position française. On est dans un paradoxe incroyable. On a Calais quand même. On dit que dans la Convention de Genève, on ne doit pas interdire à un migrant de franchir une frontière. Et nous, ça fait 10 ans que l'État français empêche les gens de franchir cette frontière.
On a des conditions assez indignes d'hébergement pour ces... Enfin, d'hébergement. On a un bidonville indigne. Il y a 21% des gens qui demandent l'asile, ce que vous avez rappelé, madame. On accepte un peu plus de 20% des demandeurs d'asile en France. La moyenne européenne, c'est 45%. Les Suédois vont jusqu'à 80%. Donc finalement, quelle est la position française actuellement ? On a un discours qui est de l'extrême fermeté envers les migrants, comme s'ils étaient... De tous nos ministres de l'Intérieur. Donc tout d'un coup, quelle est la position française ? Et donc plus d'Europe ou moins d'Europe, si c'est pour faire comme le sommet de la Valette, où finalement on fait toujours du sécuritaire, toujours du Frontex, et où on externalise, plus d'Europe, oui, si c'est pour un accueil digne des personnes sur nos territoires. Merci. On a bien compris votre question. Alors, on en avait aussi... La jeune femme derrière vous qui voulait en poser une, puis on en prendra une dernière, puis on s'arrêtera, parce que malheureusement, on ne peut pas continuer indéfiniment le débat. Madame. Bonsoir. En tant qu'étrangère, en fait, j'ai souvent l'impression que les gens parlent de la crise de réfugiés en parlant que de l'Europe. Je sais que c'est la plus touchée. Sauf que je voudrais savoir, en tant que la France, en tant que membre permanent de l'ONU, ça ne serait pas le cas de prendre certaines positions afin de protéger et d'éviter certaines violations graves des droits humanitaires. Là, on risque d'aller loin. On a une dernière question là-bas, puis on va s'arrêter. Du coup, je me demandais, face à l'incapacité de l'Europe à s'organiser face à cette crise, est-ce que l'Europe continue de réfléchir à son élargissement ? Et est-ce que finalement, l'Europe ne s'envisage pas simplement comme une Europe occidentale ? D'accord. On va rester là parce que je crois, je suis désolé pour mes collègues, mais je crois que autrement ça va nous faire aller très très loin. Alors, qui veut réagir peut-être sur la politique française face aux migrations, sur le problème de Calais. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir, Yves peut-être ou Bernard Guetta, allez-y. Ou sur une autre question, oui, hein, vous pouvez. Hein. Oui. Vous avez dit, madame. Pardonnez-moi, vous m'avez remercié, moi je vais vous critiquer, mais amicalement. Vous disiez tout à l'heure, plus d'Europe, oui, si c'est pour une politique que vous souhaiteriez, et non pas pour des politiques que vous jugeriez mauvaises. Là, je crois que c'est une des erreurs fondamentales que nous commettons tous collectivement. Quand nous avons, nous Français, un gouvernement, quel qu'il soit, dont les politiques nous déplaisent profondément et que nous jugeons nocifs pour la France, nous ne disons pas dans ces conditions « revenons au duché de Bretagne, au comté de Toulouse, renvoyons Nice en Italie, etc. etc. » Non, nous disons tout simplement « il faudrait changer de majorité ». Il y a deux choses sur l'Europe. Est-ce que oui ou non, c'est un débat. Est-ce que oui ou non, les nations européennes ont intérêt non seulement à préserver l'unité acquise, mais à la développer ? C'est le premier débat. Le deuxième débat, c'est est-ce que les politiques actuellement menées par la majorité des gouvernements européens, des gouvernements nationaux européens, des États membres, est bonne ou mauvaise. Mais on ne peut pas mélanger les deux débats. Autrement, nous en venons véritablement à dire « Ah, la politique de M. Hollande, de M. Sarkozy hier, de M. Chirac avant-hier, etc. ne me convient pas, donc revenons-en à avant Louis XI. » Je ne crois pas que ce serait logique. C'est tout ce que je voulais dire. Non. Yves Bérangère, Yves peut-être pour commencer. Oui, parce que c'est un petit peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Identifier Frontex, je crois que c'est un bon et un mauvais procès. C'est un bon parce que ça révèle une tendance. Effectivement, les États membres de l'Union européenne se mettent beaucoup plus facilement d'accord sur cette question-là, la question de la gestion des frontières.
Mais c'est aussi, il ne faut jamais l'oublier, une demande des citoyens. Les citoyens de l'Union européenne, dans leur majorité, peut-être même dans leur très grande majorité, n'accepteraient pas que les États, parce que ça monte au niveau de l'Union européenne, cessent de contrôler les frontières extérieures. Donc c'est aussi une demande du citoyen et une réponse du politique. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est une réalité politique. C'est ensuite peut-être un mauvais procès parce que ça polarise les choses. Ça polarise les choses sur Frontex comme étant le bras armé de l'Union européenne. C'est oublié que la société civile a fait un travail remarquable de pression sur Frontex. Si bien qu'aujourd'hui, Frontex ne peut pas sortir un bateau, un avion, un hélicoptère sans qu'il y ait des observateurs et sans que Frontex soit tenu de respecter les droits fondamentaux. D'ailleurs, les textes mêmes de Frontex ont été modifiés en vue d'inscrire des obligations de respect des droits fondamentaux dans les missions de l'agence et en vue d'élargir la mission de l'agence, pas simplement à la surveillance, mais aussi au sauvetage. Alors tout n'est pas rose. On a vu dernièrement que Frontex était également assisté un certain nombre de pays, notamment pour accompagner les demandeurs d'asile devant les juridictions, notamment en Hongrie. Et ça, ce sont des choses dont il appartient à la Commission européenne de faire la lumière dessus. Mais les avancées en termes d'obligations en matière de droits de l'homme sur Frontex ont été extrêmement importantes grâce à la société civile et au Parlement européen. Dernier point sur cette polarisation, c'est oublié en réalité. Et vous mentionniez l'accueil sur le territoire des États membres. Il suffit de prendre quelques minutes, de se poser et de lire le texte de la directive conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de se rendre compte si la totalité des États membres de l'Union européenne, à commencer par celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, respectait simplement ce texte-là, l'accueil des demandeurs d'asile se ferait dans une dignité beaucoup plus importante que celle qu'ils rencontrent aujourd'hui. L'accueil des demandeurs d'asile se ferait dans des centres ou dans des hébergements et pas à la rue, comme c'est le cas trop souvent aujourd'hui. Donc respectons tout simplement les règles que nous avons accepté de prendre ensemble. Merci. Une dernière intervention. Bérangère Taxi, vous voulez intervenir peut-être sur le problème de Calais, justement, sur la politique française? J'allais justement souligner la même chose que le droit n'a guère à apporter ici, parce que c'est la mise en œuvre du droit qui fait cruellement défaut, si ce n'est que on peut se flageller autant qu'on veut. Effectivement, il y a aussi une difficulté qui vient du Royaume-Uni, qui ne veut pas qu'on les laisse partir. Donc là, la solution... Faisons-le mais oui, et qu'ils se débrouillent. Laissons-les partir. Il y a une distorsion ici entre les obligations internationales qui pèsent tant sur le Royaume-Uni que sur la France et le droit de l'Union européenne avec la libre circulation de Schengen. Et là, il y a une contradiction importante et on privilégie l'application des règles encore de Schengen qui autorise le Royaume-Uni à refuser qu'on leur envoie. Mais faisons-le. Donc j'avais rien à ajouter, finalement. Si ce n'est que si, quand même, une chose. Sur le pourcentage, oui, 15% d'accord par l'OFPRA, auquel la CNDA ajoute un petit peu, donc 20% d'accord sur les demandes d'asile en France. Enfin, ces chiffres-là sont assez intéressants parce qu'effectivement, ils démontrent la manière dont on applique les politiques. La moyenne est à 40% et on dit, ah mais tiens, les États du nord de l'Europe sont à 85% de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection internationale. Sauf qu'il faut aussi regarder les nationalités qui arrivent. Si vous avez un nombre extrêmement important d'Érythréens, de Soudanais ou de Syriens qui arrivent dans votre État, vous avez un nombre de reconnaissances extrêmement élevé. Et quand on regarde la France, la première nationalité de demandeurs d'asile qui arrivent en France sont des Congolais. Donc, et là, le taux de reconnaissance est moins important. Suivi par les Bangladais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de comparer, mais il faut aussi comparer par rapport à la qualité et à la nationalité des personnes qui arrivent et à leur situation. Cependant, dans les années 70, en France, c'était 85% d'accord sur les demandes d'asile et aujourd'hui, c'est 85% de rejet. Ça montre quand même une évolution qui est traduite en droit et en politique et d'un point de vue sociétal aussi, qui a fait passer l'étranger d'un persécuté à une menace. Il y a là un très sérieux problème. Alors, je ne sais pas si on a répondu à la dernière question tout à l'heure. De notre étudiante, je ne crois pas. C'était, je me souviens plus d'ailleurs. Ah oui, sur l'élargissement, voilà. Est-ce que
répondre très très vite, hein, c'est très simple. Il n'y aura pas de nouvel élargissement avant très 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 longtemps à aucun pays, à part peut-être, les pays des Balkans et encore. Pardon, non. La Turquie, on a réouvert. Mais... Bah. La Turquie, on va réouvrir pour faire une bonne manière à la Turquie dont on a besoin. Mais évidemment qu'il n'y aura pas d'élargissement à la Turquie avant 25 ou 30 ans, si il y en a jamais un. Ce que je ne sais pas, mais en tout cas avant 25 ou 30 ans, certainement, évidemment pas, pour deux raisons. Nous ne savons déjà plus de nous débrouiller à 28 entre nous. Il est évident qu'il faut qu'on arrive à trouver un modus vivendi à 28 avant de penser à passer à plus. Cela relève du bon sens. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que les Européens veulent rester entre eux, qui trouvent que la Turquie est légèrement trop musulmane, quel scoop, invraisemblable. Vous auriez dit que la Turquie était musulmane ? Oh, c'est vraiment fou, ça ! Et que tout ce qui est un peu trop au sud et à l'est, musulman ou pas, ça te plaît ? Oui, c'est des barbares, quoi. Et ça plaît de moins en moins. Bon, écoutez, je crois qu'on va en terminer là, parce qu'il est déjà 20h16. Je voulais vraiment remercier nos intervenants qui ont été passionnants, je pense, les uns comme les autres. Ils nous ont beaucoup appris ce soir. Remercier également le public et puis la qualité des questions qui ont été posées, je crois qu'elles ont été extrêmement intéressantes. Et puis donner rendez-vous à tout le monde, peut-être pour un autre forum Alliance Europa, je l'espère, dès l'an prochain, sur un autre sujet d'actualité, en espérant tout de même être un petit peu plus optimiste à cette occasion qu'aujourd'hui. Peut-être pouvons-nous garder un peu d'espoir. Merci. Thank you.